Hey yo! Salut Xneax! Comment vas-tu? C'est Infinity? J'ai la tête dans le cul, j'ai l'impression de me lever. Il y a un putain d'af sur sa mère. Sorry, parce qu'en fait, à chaque fois, en gros. En fait, c'est pour ça, là, on a l'impression que j'articule comme un. J'articule pas. Déjà que d'habitude, j'articule pas beaucoup, mais là, c'est encore pire. J'ai un vieil af au fond de la bouche. Et en gros, quand je parle, je croque dessus. Donc je vous laisse imaginer le délire. C'est pas ouf. Donc là, il vient de 4 heures à parler là. Ça m'a bien niqué. Ça m'a bien niqué. Faut immonde. Pire truc ever quoi. Putain, on a 40 milliards de ressources. Coucou Lucky. Bon. Peut-être passer sur le jeu. Très bien. Ça ben, serait bien un truc qui fonctionne. Ouais, niveau ressources, on est pas mal, hein, comme je disais. Je pense que niveau ressources, on est même très très bien. Attends, parce qu'il y a Dema qui m'a mis ça. Il y a Dema qui m'a mis le silicone quelque part. En fait, on a 40 milliards de trucs de silicone. Et je sais pas où elle a foutu le silicone, Dema. Elle a pas mis en bas, en fait, le silicone. Non, elle a pas pu mettre en bas parce qu'il y a pas de champ en silicone en bas. Ah, ou alors elle a foutu dans une graine et c'est direct. Ah, vas-y. Ah bah si, il est là. Ah bah si, il est là. Ah bah j'ai rien dit. Très bien, bah attendez, je prends ça, il va falloir de la cobble. Il va falloir que je laisse ça ici. Ok. Elle m'a pris au dépourvu. Elle m'a pris au dépourvu. C'est pas qu'une sensation de survie que maintenant pour certains. Ah, je me suis réveillé il y a pas longtemps, j'avoue. Non, en vrai, ça va, je me suis réveillé vers midi. Il me tape, hein. Il m'a tapé, il m'a battu. Alors oui, du coup, pour Farming Simulator, comme a dit, vous étiez peut-être pas là, mais en fait, BX est sur son live, on va recommencer. On va recommencer. Mais on va pas recommencer en live, on va recommencer offline en fait. En gros, on va avancer offline jusqu'où on était. Pourquoi? Parce qu'on a fait de la merde avec la thune au début. En fait, on a acheté 40 000 machines à chaque fois qui n'étaient pas les bonnes, et du coup, on va recommencer, voilà, simplement. Donc voilà. Coucou! Coucou, coucou! Alors? T'es mieux. J'ai arrivé à 45 gravaux, Blacky. Ah, mais putain, je suis un peu ch'talk. Oh, c'est bon. J'étais en mode tête à 8, mais c'est moi qui parlais pas en fait. Du coup, tu m'as mis tes petits trucs de silicone ici. Et moi, il va falloir que je fasse. Un et forget the remember layout. Que je mette de la cobble là. Que je mette ça là. Et ça ici. Ok, donc déjà on va faire ça. Donc là je peux récupérer les cobble. Et ensuite il va falloir que j'instaure le craft avec les silicones, c'est-à-dire ça. Demo qui a voulu faire des graines de silicone en fait. Même si on n'avait pas forcément besoin des graines de silicone, parce qu'on avait déjà full nether quartz qui nous sert à faire le silicone. Bon, au moins on n'aura pas à se faire chier à le faire cuire, on aura le silicone directos. Donc voilà. Pire, ce que je vais faire là, c'est que j'ai directement commencé. En fait, j'ai retransformé les graines qu'on a là en trucs de silicone parce que ça prend de la place. Si jamais il y a. J'ai mis les chains cubes dans le dans la plaque. Ça roule, ça roule. Ça roule, ça roule. Si t'arrives à 45 Lucky. Le pire. Le pire, le pire. Bon, on a masse truc hein, quand même là-dedans. Là. On a tellement de lithium. Wow. Tellement de conneries. J'ai fait des blocs hier. Hein. Genre pour éviter que le stockage soit faux. Ouais, bah tu sais quoi, je vais refaire des blocs de quartz. Hein. On va refaire un peu de bloc aussi parce que là ça commence à être le bordel. Parce que quand je regarde, du coup j'ai mis. Bah je sais pas s'il est bien connecté par contre. J'ai rajouté un M drive. Normalement y'a aucun souci si t'as un M drive. De toute façon en fait c'est simple. Si jamais le truc il y a le voyant, si jamais en fait c'est vert ou que c'est orange, c'est que c'est bon. Quand c'est pas connecté, c'est rien en fait, c'est grisé. Donc okay. Y a pas de souci. Après pour l'instant y'a pas de ressources dedans parce que ça finit de vider en gros le premier, celui qui est le plus proche du contrôleur. Mais sinon y a pas de souci. Y'a pas de souci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas que ça fasse de la merde? Bah déjà je pourrais crafter tous les minerais d'iron, hein, parce qu'on a 35 000 à faire. On va faire ça. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plein de trucs, on va falloir qu'on fasse les graines. Je vais faire des graines de ghast. Pourquoi des graines de ghast? Il nous faut des ghast tears pour faire au peuple dragon. Voilà. On va faire des withers pour faire des graines, pour faire les blocs pour les graines de wither. On va faire quoi d'autre? Tu voulais dire pas pour la Nether Star, non? Ouais, pour la Nether Star. Pour la Nether Star. En fait on a un Nether Star ici mais du coup faudrait que je fasse un truc
sais que j'ai le setup, je le setup ici le bordel. Putain mais ça, la même chose que c'est pas symétrique. C'était l'enfant au petit. Mais du coup ouais. Ouais si on va faire ça là. Ta mère qui m'a réveillé en mode tu viens chez ta soeur. Track de qui? Track. Ouais on va faire ça là, je vais mettre un farmer ici. Je vais mettre un farmer là, puis on a tout link. Ici c'est Nether Star, ici ce sera Ghast, ici ce sera autre chose qu'on mettra par la suite. Donc on verra bien. On mais peut faire un stack et 57 de Wither. Ok ok. Ouais. Ah j'ai compris. Une centaine de Wither quoi. Ouais. Ok ok. Et du coup ouais en gros en fait le souci des graines de Nether Star c'est qu'il va falloir des Nether Star Crux. Et pour ça il faut des. Il faut oublier du Wither en fait qui nous drop un certain truc et du coup on est niqué. On est niqué en fait. Si on bute pas le Wither on peut pas faire les blocs et du coup c'est la merde. Bah si j'ai pas de conneries, hein, normalement c'est ça un Nether Star Crux. T'as absolument aucun autre moyen de le faire que buter du Wither quoi. C'est ça, faut des Withering Soul et t'as 35% de chance d'en avoir quand tu butes un Wither quoi. Concrètement. Concrètement. Il faut de la Nether Star mais ça c'est pas un souci. Et encore la Nether Star tu peux les farmer en fait quoi. Tu prends des fertilisateurs. Tu m'as dit que tu avais des Nether Star toi? Ouais. Okay. Il m'en faut 2. Après si t'en fous, il suffit juste de prendre des fertilisateurs, de faire du fertiliseur et puis, puis t'es tranquille hein. Yep yep. Je vais en faire un petit peu parce que vu qu'on a 40 000 essences. Non, 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 c'est là, 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 là. Oh. C'est pour éviter que ça, ça pompe trop de place, donc j'avais mis ça là. Ok. Après, en place, on est bien, ouais. Ah ouais, en place, on est bien. Bah, du coup, vu que j'ai remis 3 disquettes de 64K, ouais. Yep. Et puis, yep. De toute façon, après, quand il y aura les autographes et tout, on pourra acheter comme on veut des disquettes, c'est pas un souci. Fini pas, tiens, chouchi. Bon, par quoi qu'on commence? Parce qu'en fait, la graine de gaz, il faudrait que je la fasse. Le souci c'est qu'il va me faire des chunks. Chunks, je sais qu'on en a un petit peu. Ouais, j'ai des chunks de tier 2 donc je les upgrade. Et pour une graine de gaz, c'est combien de chunks qu'il faut? 4. 4 chunks par graine, ok. Petit poney, comment vas-tu? Sauf que ça, c'est un tier 4. Donc lui, en gros, faut que je l'upgrade. Oh! Ok, j'ai mis slick. Ok, attendez. Hop. Hop. Nickel. Et du coup, pour faire des chunks de gaz, il suffit juste de mettre des gaz de tir autour. En fait, des gaz de tir, on en a encore un petit peu, mais on en a pas des masses. Et comme je l'ai dit, il en faudra 4 par dragon à faire au pop. Donc, je sais pas combien de dragons vont vouloir faire au pop. Donc, tant qu'à faire, autant faire les graines de gaz. Bah, et pour avoir les. Assez normalement, c'est 2 dragons qu'on doit refaire. Ouais, mais même après pour Draconic Evolution, j'aurai besoin de masse dragon en fait. Donc, pour faire des trucs d'Awatnet et tout ça. Je me tâte, en fait, peut-être que la salle dans Draconic Evolution, là où je serai le recteur, peut-être que je la ferai en fait pas en Draconium cette fois-ci à déco, mais en Awakened Draconium, ce qui est ultra coûteux. Et il faut buter masse dragon pour le faire, mais ça peut être fun, ça peut être un petit défi, donc voilà. Fais voir les gars, cette tierce, du coup, à quoi ça sert, parce que je vais regarder. Ça sert à faire différentes choses, pas forcément utiles. Ouais, si, il y a 2-3 trucs, ouais. Ah, il y en aura besoin pour le Flying Ring, mais il n'y en a pas besoin en fait du Flying Ring, donc en fait on s'en bat les couilles. Hein? Spawn homing missile, what the fuck. Oh trop bien, il y a un bâton que tu peux faire. Ouais. Et en fait, quand tu l'utilises, les meubles ils sont confus, ils se tapent entre eux. Ouais, c'est trop bien. Bah c'est comme si tu mettais deux oui-oui et ils se tapaient tous les deux. Ouais mais non, ça fait de la merde comme de mettre deux oui-oui parce que... En plus je sais même pas s'ils font des dégâts les oui-oui entre eux. Je pense qu'ils doivent avoir Wither résistance, un truc du genre. Je pense que ça m'étonnerait ouais. Qu'ils se tapent entre eux. Aucune idée. Vraiment c'était sur Twitter. Ouais bah j'ai pu voir l'annonce. Ah ouais. Bah je me doute qu'il y a encore du monde qui dort ou j'ai le repas de famille ou tout ça. Mais le truc c'est comme expliqué en fait là après avec BX on va refaire un petit peu, on va rejoindre un petit peu à Farming Simulator et vu qu'il sait pas s'il est à soir on va rejouer en fait cet après-midi un petit peu. Mais je ferai ça off live je pense. En fait on va refaire le début donc c'est pas forcément intéressant de revoir le début. Mais on reprendra demain de toute façon je ferai du Minecraft et du Farming Simulator. Et pareil pour mardi je pense. Mercredi je ferai peut-être que du Farming Simulator. Enfin on verra. Je vais voir le planning, comment on va gérer tout ça avec BX, parce qu'en fait vu qu'il faut qu'on soit tous les deux ensemble pour jouer, bah on va voir un petit peu ensemble la disponibilité de chacun. Et du coup, voili walou. Là pour l'instant on se fait un petit peu de Minecraft au calme. Longtemps qu'on a pas fait de Minecraft. Hop, petite ghast aussi, donc ça c'est bien. Il va me falloir des farmers. Il va falloir 2 farmers. Les farmers, ils ok. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Les énergies conduites c'est bon. Les items conduites, j'en ai pas. Donc on va les prendre. Il va me falloir un autocrafter, il va me falloir un under chest. On va le crafter parce qu'on en a plus. Mais du coup t'as des masses si tu veux tu peux commencer à faire la pioche et tout. Ouais ouais.
Bah il me manque juste de Nether Star mais je vais aller les farmer en bas. Ok. T'en as pour 2 secondes, de toute façon on les fermer en soi, c'est pas un souci. S'il n'y a pas un souci. Hop, l'under chest, il est set up. A part que je fasse un crafter des Rift Tool, dans le doute je vais faire directement un crafter tier 2 si jamais la troisième graine que je mets c'est une graine à crafter aussi. Parce que bon. Moi je dormais à 7h mais je suis réveillé, j'ai reçu une notif de live. Ouais. Nice. Nice, nice, nice. Donc on a dit crafter. Alors pour le crafter tier 2 évidemment il nous faut un crafter tier 1. Donc pour ça il va nous faire une petite machine. Pourquoi t'as enlevé de la stun? En bas? Ouais. C'était pour montrer le bloc du truc, t'inquiète. Ok. Je vais reprendre de la stun. Charoule, charoule. Puis je savais pas sur le moment si jamais j'allais bouger la Nether Star ou autre en fait. Donc c'était pour ça. Alors on a dit que tout le bousin fallait que je le foute là. En vrai, je suis plus chaud de mettre les trucs ici, comme ça le câble il partira tout droit sur les machines. Merde. Pardon. Qu'est-ce que ça branlait? Ouais, je me suis juste. Ça. Ah! Ah oui, c'est chiant ça! Ça m'arrive à 24. Ok, et du coup, celle-là on va la mettre là. Hop. Nice. Bon, du coup, la Ghast Seed on la fout comme ça. La Nether Star elle est déjà plantée, donc ça n'est pas un souci. Et il va nous falloir. Après, Nether Star, on va pouvoir en faire des seeds. Une fois qu'on ait buté du dragon, enfin du Nether, du Wither, je veux dire, le temps que tout se fasse. Ça faut que je fasse un autocraft. En fait, ça faut que je fasse deux autocrafts en soi. Putain, ça va être chiant cette graine parce que normalement, ah, je sais plus comment ça se set up les crafters pour que le craft ils reviennent dedans. Ah, Will Style. Ah, ok, j'ai trouvé. Nice. Ok, parfait. T'aurais moyen de me passer, on peut te faire un tout petit peu plus de. Dis-moi. Ah, le fertilizer ça marche pas là-dessus? Non, ça marche pas là-dessus, putain, ça, je sais pas. Du tout. Il me faudrait en fait, dans l'idéal, il me faudrait. En fait, il me faudrait 27 essences. 27 essences de quoi? Bah, en fait, je te passerai Nether Star. C'est juste qu'en fait, là, les essences de Nether Star, il me faudrait 27. Après, je te la passe, hein, c'est juste pour faire les crafts. Bah, non, il m'en fait okay, peut-être que 9 en fait. Avec 9, j'ai peut-être moyen de faire le truc. Ok, bah, je te passe ça dès que j'ai. Parce que du coup, j'avais recraft. Ok. Alors. Oh, je vais mettre mon. Je vais foutre l'under chest, on va le foutre après. On va pas se prendre la tête, on va faire le même setup que d'habitude. Top dégueulasse, mais bon, tant que ça fonctionne, on s'en bat les couilles. Hop. Donc, ici, il y aura quoi qui sortira? Théoriquement, il y a que les graines. Ah non, les graines sortiront par la suite. Ouais, non, il y aura les graines plus les essences, plus les fertilisers, ok. Là-dedans, par contre, on insertera que les essences. T'as les fertilisers sur toi ou quoi? Non. Ok, je vais en chercher. Et tiens. Attends, j'arrive. T'inquiète, j'arrive. Je vais chercher 2-3 fertilisants. Il va falloir 3 essences pour tout setup. Hein. Là, ce matin, je me suis levé, j'avais une seule envie, c'était de faire du simulateur. Je te l'ai acheté. Nice, merci. Hop. Hop. Hop, hop, là. Voilà. Je sais pas si j'aurai assez d'essence, mais déjà au moins, je peux lui dire, toi ici, tu me prends que ça. Je vais lui dire, pour l'instant, tu me prends que ça. Et en fait, en gros, la technique, c'est que le craft là, je fais ça comme ça. Wait. Baby dehors, ça va nickel et toi? Donc attends, lui on a dit, il est en intérieur. Ok. Si fait que là quand il y aura d'énergie ça va me faire le craft. Faut que je câble. Et en fait théoriquement vu qu'il est en in, il est en int, il va rester dedans. C'est à dire que le résultat de ce craft là va arriver ici et pourra être utilisé pour faire l'autre craft à côté. Ok. Et ça ici on va faire ça dans le setup, mais on s'en fout, on colle les setups, c'est pas un souci, on s'en bat les couilles. C'est de la merde. Donc là on a quoi? Là on a output. Ah oui, ici c'est en priorité 1 aussi. Ici on est en output, always active. Ici on va être en input comme ça. On va mettre insert priorité 1. Extract always active. Ça va nous sortir techniquement nos trucs. Et par contre il va falloir bypass. Bon, on va bypass par là. Hop. Voilà.
Nice. Bon, on va calmer tout le bordel. On va se calmer tout ce bordel en énergie. Ça me perturbe à chaque fois, je crois qu'il y a quelqu'un dans la base, mais c'est ce putain de PNJ. Ok. Bon, le farmer il est ok. Le crafter il est ok. C'est horrible le bruit des Endermen qui se font péter en chaîne, genre. Nice. Et donc là, ok, là ça m'a bel et bien crafté ma Nether Shard. Et ça on va faire Remember, ce qui fait qu'en gros il y aura toujours ça qui arrivera dedans. C'est-à-dire que là en fait là-dedans il va juste y avoir ça qui va rentrer. La cobble on s'en met les couilles, c'est juste pour que ça lock en fait et qu'il n'y ait pas autre chose qui rentre. Pour éviter qu'on ait des essences et tout ça qui rentre à l'intérieur. Et du coup ce craft là, théoriquement si je fais tac tac tac, apply. Et ça par contre c'est en extérieur, du coup ça ressort le craft. Nice. Nice, nice, nice. En fait, j'aurais limite pu faire ça avec l'Inferium, j'aurais pu faire une boucle de craft avec l'Inferium. En gros, il rentre en bloc et puis les blocs t'en fais un machin, etc. etc. Mais il aurait fallu qu'on laisse à l'intérieur à chaque fois une charte, tout ça. C'est pas d'ailleurs dedans d'ailleurs l'Inferium. En plus, c'est un crafter tier 1, donc faudrait que je recrafte un crafter. Pff. Je joue la foutre. Je joue la foutre. C'est 10 ourson, ça va nickel et toi? Donc là, la gas truc ça a été pris, ça va là-dedans, ça vient de crafter des gas tiers qui vont être output. Vont être output, on a dit. Voilà. Nickel. Bon, tout est opérationnel. Ok, ok. Bon, bah, plus qu'à attendre après que les graines se prennent. Est-ce qu'il y a du. Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'il faut? T'as pas fait de salle ici en dessous? Pour les champs. Pour le champ non, de gast. Y a pas de truc en dessous. Ok, ok. La rente à Nether Star en dessous. Alors, le souci en fait, la Nether Star, c'est que quand on va avoir une autre graine qui va être récupérée. Ah, là j'ai fait une colonne jusqu'en bas, ok, je m'en souviens. Quand une autre graine va être récupérée, elle va être placée à random en fait, donc il faudra checker de temps en temps où c'est qu'elle a été placée pour pouvoir mettre des blocs en dessous. Théoriquement, si elle est récupérée, elle se fera placer à l'endroit après d'où check le farmer, mais je sais plus si check en ligne comme ça ou si check en ligne comme ça. Donc on verra bien. Au pire, on verra bien quand il reprendra une graine. Hein. Mais on n'avait pas une deuxième graine de Nether Star qu'on avait chopé à un moment? Non, non, non. J'ai un souvenir qu'on a vu une deuxième graine mais qu'elle poussait pas. Ah non, non, c'était pas ça, c'était juste qu'en fait on avait posé, je crois, dans le farmer, ça avait planté ailleurs sur un autre bloc, etc. Ça avait fait de la merde. Ouais, non. Est-ce que ça coûte quoi de refaire une graine de Nether Star? Tu coûtes juste de la Nether Star? Yep. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, de toute façon, ça va se crafter tranquille au Nether Star. En vrai, là, ce qu'il faudrait qu'on farm, c'est le Wii, qui d'ailleurs va nous farmer le Nether Star et en plus va nous farmer des trucs pour faire des blocs. Donc, Là je vais faire la pioche vu que j'ai les deux Nether Stars. Ça roule. C'est longtemps que vous avez fait quoi? Bah ça fait longtemps, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas live et qu'on n'a pas joué, ça fait longtemps qu'on n'a rien fait. Donc on n'a rien fait de spécial depuis. Les champs ont un petit peu avancé tout ça, mais sinon rien de bien spécial. Simplement. Du coup, je vais commencer à préparer un petit peu le bordel. Va nous falloir... C'est bon, je te passe ta pioche. Nice, nice, nice. Du coup est-ce qu'elle est fat notre pioche en fait? Je sais pas si on voit la vitesse en fait, à quelle mine. Durabilité unlimited. Déjà ça c'est bien. Ouais, je pense qu'en mining speed elle est peut-être inférieure en fait à celle qu'on avait. D'ailleurs je sais pas si on peut l'enchanter. Je pense que théoriquement on peut l'enchanter. Avec la technique à la con qu'on a fait. Au pire, attends, c'est quoi, j'ai testé. Au pire j'ai fait un bouquin de fortune. Et puis j'ai testé. Fortune de toute façon c'est quoi? Fortune, 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 fortune. Fortune ça doit être genre... c'est genre lapis en fait quoi. Fortune c'est lapis émeraude. Okay. Il faut 3 émeraudes et 9 lapis par bouquin. Ok. Alors 3 émeraudes, 9 lapis. Et il va nous falloir un book and quill. On a plus de book and quill. Hop. Comment tu sors de la redstone de l'infusing quand il n'y a plus de bouton bump? La redstone de l'infusing. Ah là-haut. La machine de merde là. Tu casses la machine. Tu casses la machine. Non, ou sinon tu refous de l'iron wood pour faire des crafts, pour vider le truc quoi. Tu peux me passer ta pioche, Ika? Oh oui, j'en avais besoin mais oui. Alors j'ai juste pour ça que secondes. Merde. Ça roule. Putain merde, il faut le tuer. Combien? 4 sur. Effectivement comme ça, moindre mode modé quoi. Oh Blacky.
Et salut là, 56 aux cartes au sang. Comme on voit tout. Tu me dis quand c'est good? Bah, je vais mettre le truc sur la pioche. Hein? Mais après, je pourrais peut-être mettre 18 ainsi en fait, j'en prends tilt. J'espère que c'est la bonne table. Ah, nickel. Donc, tiens, ça va la chaîne du coup. Ok, je vais voir dans les contrôles justement s'il n'y a pas un truc pour switch de mode. Il doit y avoir des contrôles avec. C'est quoi? C'est Mystique Agriculture? Voilà. C'est dans les M. Y'a pas? MPU. Non, c'est pas ça, je pense. Comment tu switch? Parce que là, on a un mining AOE, mais comment tu switch? Du coup, Cédric, comment vas-tu? T'es en train de me dire que la pioche c'est forcément du 3x3? Oh, ça va être chiant si c'est ça en fait. Faudrait que je teste quelque part. Ah, ça a l'air d'être ça, je vois pas du tout de contrôle. Ah ouais, je vois pas de contrôle non plus. Je vois pas dans quoi ça pourrait être en fait les contrôles surtout. C'est pas du Project E, c'est pas du Warrior S, c'est pas du X-Stone, c'est pas du Chibi, c'est pas du Tosson Pro, c'est pas du Simple Jetpack. En fait, à part ce truc là, je vois pas ce que ça pourrait être. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien! Non, non, j'ai appuyé sur une touche, j'étais pas la bonne. Non, mais du coup, moyen fan en fait, si jamais c'est full à eux. Oh, pire, on la garderait à la place du hammer, on va dire. Tu vois, déjà, je suis plus l'enchant. Si en plus on veut pas l'enchant, c'est de la merde. On fait les oui-oui quand? Bonne question. Ah non putain, tu veux pas choisir. Non, tu veux même si tu sneak en fait, ça fait de la merde. Enfin, ça fait rien, je veux dire. Pareil. Après, ça mine très vite. Pour une 3x3, c'est très fat. Hein. Ça y est, pas à chier. Je vais quand même mettre fortune dessus. Sinon, jamais. Je vais voir si je peux mettre fortune dessus. Ah, j'ai plus d'essence par contre. Ah non, je peux même pas mettre fortune dessus. C'est de la grosse merde. Moi ça me fera moins meur au pire. Ça me fera moins meur. Pour miner 3x3 c'est pas mal. Faut dire. Juste pour miner 3x3 quoi. Ouais. Ah ouais. Et du coup pour les oui-oui on peut faire ça quand? Bah on peut faire ça quand tu veux. Justement la question c'est est-ce qu'on a un endroit où les faire? Bah j'avais commencé à les faire là-bas. Genre vers la ta zone de chance cube. Ok ok. Let's go. À son état de oui-oui tu es sur toi? Oui je suis sur moi. Ok. T'as la soulstone? Enfin, la soulstone? Oui, j'ai tout. Coucou Itsu, comment ça va? Coucou, que ça va bien. Je suis emporté par le truc. Mais attendez, j'allais zapper un truc. Attends, je suis 2 secondes à la brase. C'est vrai que j'avais ma chance queue à ouvrir. J'ai zappé ça. Il y a eu 2 petits follow tout à l'heure. T'as mis où les Icosaedron? J'ai tout mis dedans. À play? Ouais. Oh. On va faire un petit stock vu qu'on en a plus. Hop, nickel. Donc ça fait 1. On va aller ouvrir tout à l'heure. Vu que je commence en normal, ça va ouvrir. On va faire ça dans un petit monde minage. Après, les wizards, on pourrait faire dans mon minage. Au pire, en creusant une grotte, mais. Bah, c'est comme tu veux, mais. Ouais, c'est comme tu veux en vrai. Oui. Non, bah, go faire ça là. Hein. Or! Ah oui, c'est bordel là-dedans. Ouais. Il y a censure dans tous les sens, cette BTR. Oh, il a des yeux. Non. Il ressemble à rien surtout. Pourquoi ça m'a compté un truc, ce mode de Wither? Ah, ce truc qu'il a fait, ça m'a compté, ok. Faut qu'on fasse gaffe à pas taper par contre. Ouais. Je la bouille un peu, hein. Like. J'ai même pas eu le temps de le voir, ça a lagué. Il est déjà mort. Non, mais c'est quoi cette épée de craquer là? Ah putain, ça va être Vorpal qui a proc. Vorpal a du proc et du coup ça fait une explosion, ça va one shot de Wither. Ah ouais, ça va être ça. Après il y a 300 PV, on met les 33 par truc, hein, sachant qu'on vole, on met du critique donc. Là on lui met du coup. 10 coups. Oh putain, je suis un connard, j'ai fait faire une shot. Ah
Pas très pratique quand même. Hein. Attends, parce que je crois qu'on peut faire des blocs wizardproof. Dans lequel, en fait, je pense que le mieux serait de faire une cage wizardproof. Bah, c'est ce que je voulais faire au début, mais je crois que ça coûte des nether stars. T'as failli taper des mains. Ah non, non, c'est pas failli, j'ai tapé des mains, je pense. Non, non, tu m'as pas tapé. Et moi, j'ai cru t'avoir tapé, par contre. Oui, c'est probable, par contre. Pourquoi ça me donne une surprise à chaque fois? Attends. Wizardproof. Wizardproof. J'ai vu des blocs wizardproof la dernière fois. J'ai vu des blocs très intéressants wizardproof. Mais des blocs de merde, hein. Ah putain, c'est ça, c'est avec la soulstone, on peut faire des blocs wizardproof. Mais il faut des graines de wizard. Bah qu'on passe une graine de wizard. Et avec les wizard skeleton à l'essence en fait et la soulstone, que j'en ai ramené masse, on peut faire des blocs wizardproof. Alors, je vais carrément taper wizardproof en fait, comme ça moi c'est tranquille. Mais sinon wizardproof y'en a pas mal hein. Ah non, y'a la reinforcée d'obsidienne qu'on peut crafter. Sans aucun souci. On peut faire la reinforcée d'obsidienne. Ouais, reinforcée d'obsidienne. Il faut des graines d'infinity, on en a masse. Et merci Electrose pour le follow. Non, non, il faut pas mal de trucs qu'on amasse. Bah, je vais leur faire masse dark steel. Et ça, c'est quoi? C'est. Pulverized coal, iron, obsidienne. Obsidienne, on amasse, hein, ouais. Obsidienne, je prends du coal. Obsidienne, de toute façon, je pense que je reprendrai quand on sera dans les endpoint. Tac. Mais je m'amuserai à recasser toutes les tours. Ça roule, ça roule. Bah, attends, je vais faire ça vite fait. Alors. Il va falloir que je crush du charbon. Ouais, j'avais zappé qu'il y avait la reinforcée d'obsidienne. Elle est pas sur tous les modpacks en fait. Endorayo est jamais presque sur les modpacks. Donc du coup ouais, ça aidait pas. Après ouais, il y a des user proof glace. Ah, t'as blast résistance. Ouais. On peut essayer d'avoir des vitres en user proof. C'est bon. Puis en soi, suffit qu'on laisse juste un passage de 2 par 1 pour entrer dedans. Et puis on est good quoi. Passage 2 par 1 pour rentrer dedans et puis c'est réglé quoi. Ah putain, on peut faire. Ah, mais en fait, t'as de la reinforcée d'obsidienne qui est mille fois plus simple à faire. Oh bah, nique sa mère, je commence à faire la mienne, je suis celle-là. Caca! Nique sa mère, je commence à faire celle-ci. On a pas de Dark Steel Seed. Non! Que les poulets. Mais poulet, je suis moyen fan. Donc, putain, après ça va être long par contre à faire. Ouais. Non, ouais, ça va être long. C'est pas grave, hein. Parce on pourrait faire cela avec son juste avec l'obsidienne et l'iron bar. Mais je trouve ça un peu cheaté à faire quand même. Quoi. Je trouve ça moyen fun. Hein. Genre, le truc il est juste trop débile à faire quoi. Il y a juste notre challenge quoi. Je suis obligé de tester un truc demain. Vas-y. J'ai vu un truc là. Je suis obligé de tester. Alors, on va tester ça là-bas. Ouais, j'ai trouvé une pioche assez sympathique. J'ai trouvé une pioche efficiency X en fait. Enfin, efficiency infinity en fait, tu vois. Enfin, en gros, en fait, ça one shot les blocs. Et ça coûte rien à faire. En fait, t'as celle avec la reinforcée d'obsidienne, mais celle qui est chidée. Celle qui est simple à faire. Et quand, attends, quand tu fais un clic droit, t'as une surprise. Tu l'as cassé. Tiens, en fait, en gros, ça se fait juste avec ça. Regarde, regarde le crap de ça. Ça, en fait, en gros, ça se craft facilement. Et tu peux en faire des lingots, ça. Quand tu la mets juste dans ta table de craft, enfin, dans ton de craft, hein. Tu fais des lingots et avec les lingots, tu peux crafter la pioche en fait. Simplement. Donc, c'est vraiment de la merde hein, à faire la pioche. Hein. Après, ça n'a pas forcément une durabilité de ouf, mais c'est craquer du cul quoi. Je vais la garder au cas où.
vais la garder au cas où. Bon, je vais retourner faire mon marine forcée d'obsidienne pas craquer moi. On est pas près d'être fini mais. Sorry. J'ai 45 pioches dans l'inventaire, c'est bon. C'est une horreur. Et du coup attends, le Delta Plane n'est plus le same thing, j'en ai plus besoin ça. On soit d'accord. On s'en bat les couilles. Et donc là, normalement, je peux faire ça. Et avec ça, je peux faire ça. Bon, pour l'instant, j'ai 20 reinforcés d'obsidienne. C'est pas ouf. C'est mieux que rien. Burst d'Epic Axe. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Mais c'est quoi ta ennemi progression? Ça a l'air d'être des trucs bien débiles, ça aussi. Ah, t'as que des items de débiles en fait. Ça, c'était ce qu'on avait dans les loot bags en fait, non? Avant, c'était des items à la con qui servaient à rien que t'avais dans les loot bags sur Modern Skyblock, j'ai l'impression. Il est où les pickaxes là-dedans? Ah, elle est là? Non, même pas. Il est où, wesh? Ah, c'est les trucs avec les gros accélérateurs, enfin les gros systèmes. Ah, c'est aussi le combo générateur en fait en soi. Ouais, non, c'est le mode bien débile. Pas d'autres mots. T'as l'arrosoir à la con là. On voit pas les pickaxes. Toi, je suis aveugle. Elle est là. Je cabris pas en fait. Ok. Ah putain, et c'est ça qui me parlait tout à l'heure BX en live. La fameuse pizza ananas. La fameuse. Que tu fais évidemment avec 5 pains en fait. T'additionnes 5 pains, t'as une pizza d'ananas, tiens. Petite pizza hawaïenne. Je crois que ça suffit pour la cage des 20 blocs. M'étonnerait parce que rien que le sol, faudrait. 9. Faudrait 9 pour le sol. Du coup, faudrait 9 pour chaque côté en fait. C'est banni ça, non? Théoriquement, ouais. Pizza d'ananas, théoriquement, ouais. C'est le truc banni un peu quoi. Après, je dis ça, j'ai jamais goûté. Hein. Ça se trouve c'est bon, ouais. Moi je suis assez fan du sucré salé donc je ne saurais juger. Après l'ananas je vois quand même pas ça dans les pizzas, hein. Enfin franchement c'est un peu... En fait c'est... Non ça se fait pas genre... Tu veux pas dire que tu fais ça, non ça existe pas, non. C'est un sacrilège en fait quoi. Tu peux pas oser faire ça. Bon 44, oh, je vais pire je vais commencer à poser la salle, on va bien voir. Attends, toi, je vais perdre toute vie sociale parce que je vais devoir finir Stone Block. Pourquoi Infinity? Comment tu veux finir Stone Block de toute façon? C'est déjà la première question. Par contre, Dema, on a un léger souci de spawn de mob là où on a fait le wizard. Oh bah, je me doute bien. Donc, tu m'en voudras pas, on fera pas le. Je sais pas, faire la salle là-bas. Ah, parce qu'il y a une cinquantaine de mobs qu'on pop. Bah, on le fait dans le. Dans... Bah, dans non, monde. Je fais là. Ah oui, on peut le faire dans le monde en soi, c'est pas con. Ah, c'est pas ouais, j'y vais du coup. Bah, vas-y. Je pensais que c'était savoir qui laguait tout à l'heure, mais non, c'est toi qui lag. Toutes les quêtes faites. Ah, 40 quêtes en faut, non? Ah, 9, 9, 9, 9, 9. Je crois. On va faire ça ou on va faire ça là. Putain, y'a encore des trucs qui volent. Oh bah attends, c'est là, on va partir vers là, il y a tout le bordel. Hop. Ça va, c'est pas trop long à miner. Par contre, attends, ah ouais, attends, fais voir la pioche. Avec la pioche, non, je la mine, ouais, je la mine beaucoup plus vite avec cette pioche là, genre. C'est insane, hein, je suis. Là, ma pioche en supreme, elle a quoi, elle a 35 de mining speed. Et l'autre, t'as mine genre 4 fois plus vite, quoi. Par contre, j'espère que ça va marcher. Bah, on va voir. Après on va être restreint là-dedans pour ce fight quand même, non? Bah ouais. Et même quand il va exploser. Non mais je vais faire une sortie parce qu'il faut bien qu'on rentre dedans, donc il y aura une sortie, ça t'en fait pas. Non, je fais un truc plus grand déjà, faire un truc Bon c'est pas grave, au pire j'attends que ça crave le pied. Je vais faire un 5x3 par truc. Ça sera déjà un peu plus grand pour ce fight dedans. Donc là il manque quoi? Il manque un autre pan de 15, il manque Non c'est 5x4x5 c'est ça? Ouais.
Bah autant refaire peut-être un de hauteur en même temps. Ouais, pire, c'est pas grave, on va juste attendre que ça craft. Hein. Bon, je pose déjà les deux têtes et ça roule. Mais d'ailleurs, attends, du coup, j'ai changé les capacitors parce que je crois que j'ai les capacitors qui sont beaucoup plus fat dans l'autre. Hein. Je crois que là, lui, il a un capacitor d'enculé. Et que lui, il a un capacitor de merde. Ah non, j'ai rien dit. Ah non, j'ai rien dit. Ok. Ah non, j'ai un bon capacitor en fait. Je vais voir quand même avec les autres capacitors qu'on a si jamais ils sont pas mieux. Putain, les arts. Ouais, je crois que je les avais retirés en fait. Alors non, ah, il en reste ici, ok. On va faire comme des tests. Hein. Celui-là, il y a quoi? Là, on a 230. Hein. Là, on a 103, donc c'est de la merde. Là, on a 94, c'est de la merde. Là, on a 146, c'est de la merde. Là, on a 97, c'est de la merde. Là, on a 142, c'est de la merde. Là, on a 124, c'est de la merde. Là, on a 24, c'est de la grosse merde. Et on a 75. Putain, mais non, en fait, c'était déjà le meilleur. Hein. C'était déjà le meilleur, c'est juste que c'est des grosses merdes à faire le Dark Steel, quoi. C'est ni plus ni moins que c'est de la grosse merde à faire comme truc, ok. Ok, ok, je comprends. C'est donc ça le souci. C'est juste le craft qui était chiant. Ah, c'est pas grave, on va prendre du charbon. Hein. On va prendre du charbon, on va prendre de l'héron. On va reprendre de l'opsy. Et puis c'est reparti, mon kiki. Hein. On va se recrocher tout ça. Hop. Mais les quêtes, ah, nous on est loin de les faire les quêtes. Hein. Là, on est loin. Je t'avoue déjà que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé les quêtes. Bah tiens d'ailleurs, hop, il y a une quête ici. Extreme crafting, ça pourrait être marrant après de faire des petits items d'avaricia quand même, hein, parce que là c'est là on se contente de mystique agriculture en se disant que c'est pété, mais le jour où on fera de l'avaricia, ça sera pas le même jeu. Ça sera pas le même jeu, il y a une épée avec une infinité de dégâts, tout ça, genre après moi j'ai jamais fait d'item avaricia en fait, donc je ne sais pas du tout ce que ça fait. Mais je crois que t'as genre une épée avec infinité de dégâts, un truc comme ça. Sinon on va regarder, avaricia. Alors, fortune 10. Infinity Attack Damage. Sonic Speed. Donc j'imagine que ça tu vas à une vitesse supersonique. Avec tes petites bottes. T'as de la bouffe qui te donne 20 de bouffe. 4 soins de saturation. En fait tu bouffes une fois le truc, c'est bon, c'est fini. Et en même temps faut des... Putain, faut du neutron quoi. Comment tu fais ces merdes? J'aime pas comment tu fais ça. Je crois qu'il faut. Ouais, je sais même pas comment ça marche. Je crois que c'est ça, c'est dans notre menu compresseur. En fait, faut mettre des trucs et tout ça et tu fais différentes choses. Pas de manière plus facile de faire l'Obsidian Arm Interset. Si, il est dessous. Mais je trouve ça trop craqué. Genre no fun en fait. Ah ouais, genre rien que ça, c'est le neutronium compresseur quoi. Donc faut une autre ingot pour le neutronium compresseur. Donc j'ai mis en fait dans le neutron collector en fait que tu fais le truc du coup. Et le neutron collector c'est... Putain, je sais pas si t'as mon stream à côté des maps. Ouais. Regarde les crafts. Ah, il faut beaucoup de trucs par contre. T'as vu la taille du craft? Bah mais ouais. Ça c'est des crafts comme ça, mais regarde par exemple ce craft là. Faut des lingots infinis, et les lingots infinis tu les fais comme ça. Et c'est par exemple, tu vois, c'est pour faire l'épée, par exemple tu as cette épée là, par exemple c'est l'épée c'est l'épée qui fait des dégâts infinis en fait. Genre t'as un wizard qui est pop, tu one shot le wizard quoi. Ouais bon ouais, hein, ok. Et bon, en vrai ça pourrait être fun à commencer, juste à voir comment ça se passe et tout ça. Bon alors, je pense qu'on a clairement pas de quoi le faire. Un truc... En fait je sais absolument pas ce qu'il faut, je sais pas s'il faut de l'énergie ou ça. Mais on pourrait juste voir par exemple. Pour faire déjà la table en fait. Déjà rien que faire la table, on peut faire la table en soi. Faut des nether stars. Et des diamants. Ça sera pas un souci, on pourra faire ça. Bon on était en train de farmer du wizard déjà, donc on va continuer à farmer notre wizard. Hein. On va arrêter de changer de projet toutes les 10 minutes. Hein. Être pas mal. Bon, j'ai refait 56 d'obsidienne, hein. C'est vrai, good. Ouais, je pense que ça. C'est easy. Et dans 2 heures, tu le fais. Dans 2 heures, je suis en train de conduire mon tracteur, donc déjà on se calme. Ah, après, il y a le plafond à faire en fait. Ah, mais jamais de la vie, ça va être good. Ah, mais c'est pas grave, tiens. Je suis là comme ça. Hop, on est pas mal. Non, c'est pas le bon truc. En fait, il va falloir 20 par côté. Donc en fait, j'ai clairement pas ce qu'il faut.
Sachant qu'au-dessus c'est 25 qu'il va me falloir. Sauf que j'ai dit que j'essaye d'entrer. Ça va, c'est good quoi rentrer. Soit on rentrera avant que le... enfin, après que le wizard spawn, donc c'est pas un souci. En soit à l'intérieur, il y a de la place. Ouais, on aura de la place comme pour ça. Sachant que le plafond, je vais le mettre, je vais pas le mettre là à cette heure-là, si je vais le mettre là. Genre. Donc il me manque combien? Il me manque 25 pour le plafond, il me manque 3 ici, donc il me manque 28. Hein. Y'a pas besoin d'énergie pour avoir ici, j'ai beaucoup de temps et de ressources. Ok. Bah j'imagine de toute façon que ce genre de mode un peu casse-cou, il faut juste aller faire à côté quoi. Mais vu que c'est une cloud, théoriquement, ça peut fonctionner. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du gros caca. Là-dedans. Du gros caca. Et bien. Et puis il nous reste du style là-haut que j'ai mis en route. Bah oui qu'il en reste hein. Quelle question. Alors ça sera peut-être pas assez par contre pour faire ce qu'il faut. Au pire c'est pas grave, j'en fais un rab, ce sera toujours utile. On va prendre un petit stack de call de Dopsy. Oh merde. J'ai fait fermer Minecraft. Pourquoi tu utilises pas les mêmes Grinder et Draconic Evolution? Parce que c'est cool de tuer des Weezer à la main. Après je pourrais automatiser un truc avec le même Grinder effectivement de Draconic Evolution, mais très moins fun. J'aime plus comment il marche en plus le même Grinder Draconic Evolution. Je crois qu'il est pas très compliqué à faire marcher mais... J'ai raté quoi? Ah, SLT. Là pour l'instant, pas grand chose. Pour l'instant, pas grand chose. Merci pour le follow. Hop, on va faire crafter ça. 28 hein. Bon, on fait les 28. Et... All plane. Comme ça on aura un petit peu de rab de Dark Steel si jamais on a deux crafts à faire un jour avec. Et là en gros en fait on prépare un petit peu différentes choses s'il nous faut pour farmer deux dragons, pour se faire une armure badass du cul. Et voilà, tout simplement en fait. Là en fait on farm du Wither pour avoir des items que va nous drop le Wither. Yep hein, qui vont nous servir à faire les graines en fait. Simplement. On va reculer un petit peu hein. Tiens. Vache. Ah d'accord. Ok. Je n'ai pas mis un coup. Eh l'enchant de Vorpal c'est pas mal hein. Ah ouais ça me plaît bien. Non mais attends c'est bien Vorpal qui fait ça. Ah ouais randomly perform power full attack and decapitation. Donc en fait je one shot un mob quoi. C'est à dire que je peux très bien aller sur le dragon et le one shot quoi. Bon bah du coup je te laisse hein, écoute hein. Non mais après c'est... ça marche pas à chaque fois en fait. C'est random quoi. J'espère que BX a le son évidemment à chaque kill hein. Non, en fait par contre c'est trop bien parce que ça nous farm full sup premium quoi. Et ça c'est trop cool. Bon après on a déjà je crois un stack de blocs là. Ah oui non mais c'est pas grave mais c'est juste que comme ça moi on pourra directement faire on aura directement en fait le superium. Non c'est quoi c'est l'insanium je veux dire pour faire tout le bousin quoi. Ça fait une Netherstar aussi. Merde. Non mais putain mais j'ai witness pendant 1 minute 30. Oh tu fais chier. Ah mais non on va jamais le tuer genre. Oh. Eh vas-y voir pas le proc. Ah mais putain mais ça a proc à la fin, tu fais ma gueule. C'est les 20% HP à la fin. Bah non chat. En soi je pense que tu peux en faire spawn 2. Je pense qu'on peut en faire spawn 2 à la fois en fait. Ouais bah je ferai ça après. T'es où? Enfin. Putain j'ai encore une minute de weakness. Bah t'as quand même. Comment tu baisses ce son de merde? Créature
T'as quand même un faible taux de pourcentage de chance d'avoir le Vorpal, hein, parce que je l'ai qu'une fois là pour l'instant, j'ai l'impression. Prêt? Ouais. En même temps, tu me diras encore heureux que t'as un faible taux de pourcentage de chance d'avoir Vorpal, quoi. Il commence à craquer. Est-ce que la pioche ça marche là-dessus? Non, ça marche sur la grâce, évidemment. Question. Vu que t'as pas le son de kill. Ah, mais c'est son explosion en fait qui casse l'oreille. Putain, mais c'est dans quoi son explosion? C'est dans environnement? Enfin, j'ai baissé free environnement et freiner créature. J'ai baissé. Non, mais ça s'en fout. Voice, speech. Bah, si t'as le son et l'image qui est sur tel, au pire, on va fermer le live et relance-le. Au pire, hein. C'est parti. La roule. En fait, j'ai désingué le village. Tant pis, l'argent. T'as combien de Nether Star là? Non, mais je sais très bien, Gazon, qu'on peut faire ça, mais j'ai pas envie d'en farmer 40 000 non plus. Nether Star, j'en ai 3. Bon, bah, ils ont pris 2 Vorpal, mais à la fin, quoi. Alors, Withering Soul, j'en ai 2. Donc ça c'est cool. Déjà, j'en ai 0 et on en a 2, on en a 2 ou 3 je crois aussi à la base. Donc là déjà on peut faire 2 Nether Star Crux. Moi j'ai comme je t'ai dit du coup j'ai 4 Nether Star. J'en ai 5. Nether Star ça peut se soucier de toute façon. Après qu'on aura les graines on pourra en faire masse. Enfin, la graine de Nether Star, on en fait en fait c'est pour ça qu'on fait la graine de Nether Star, c'est pour farmer les wizards. Enfin c'est pour ça qu'on farme les wizards, c'est pour faire la graine de Nether Star en fait. Mais on est obligé de tuer des wizards en fait pour pouvoir faire la graine de Nether Star. On est obligé d'avoir ça en fait. Ah, y'en a un qui s'est fait one shot. Et du coup ça se trouve je peux... Ah bah lui aussi. En fait faut pas qu'on se mystique dessus hein, parce que si jamais y'en a un qui nous joue, je prends un Vorpal. Nice. J'ai eu une soul. Bon bah ici il faut masse Nether Star. Ouais mais de toute façon là, on a la prod automatique de Nether Star, c'est pas un souci. Ça dépend d'un souci et puis j'ai pas prévu de commencer à vérifier ce soir là maintenant. Enfin cet après-midi là maintenant tu vois. Donc t'en fais pour. Et t'en fais pour. Mais par la suite on fera peut-être du coup un grinder ou autre. Après est-ce qu'on aura vraiment besoin de faire un grinder par la suite qu'on aura full Nether Star? J'ai mis les Nether Star dans le... Dans la poche? Bah, dans le... Ouais. Ok ok. Ah, il est mort. Et lui aussi, bon j'en ai pas eu de nouveau. Et j'en ai encore une. Nice. Ah non, c'est celle que j'avais déjà. Ah, bravo. On a tellement de trucs qui arrivent dans l'ordre de poche à chaque fois. Quand même le gros bordel hein, ce monde hein. Quand même le gros bordel hein. Ça ressemble plus à rien. Du coup là, demain live le soir, demain soir ça sera Farming Simulator. Et demain fin d'après-midi ça sera Minecraft. Tout simple, bon. Ah merde, désolé. Aïe. Oh mais oh. Bon bah c'est moi en vrai, j'ai plus rien à faire, hein. Moi je passe juste les wizards. Hein. Les filles, fin d'après-midi, 17h30. C'est fin d'après-midi en fait, t'as pas d'autre définition de fin d'après-midi, genre. Ah moi je serais sorti, c'est vrai que tu te fais opérer demain. Mais du coup pour tes 4 dents tu fais ça en bloc ou tu fais ça tranquillou dentiste? J'ai eu une soul. Nice, j'en ai une aussi là pour l'instant sur moi. Bon pareil je remets tout dans le... Ouais la même. Phoenix sous anesthésie générale. Oh ouais. Pour 4 dents. C'est bizarre que ça soit une anesthésie générale pour acheter les dents. Ah! Je t'ai pas bavé devant l'écran. Bah nice! J'en ai eu deux là, les deux wizards en drop. Nice.
Ça c'est cool. Bon, les loot bags par contre. Moi je les mets, je les ai mis quand même dedans. Ah ouais, mais un loot bag ça prend un slot en fait. Merde. Bon bah on les enlèvera après ça. Elles sont assez mal mises. Pas enfin, un souci ça. Tu as bien douillé ta grande race. Ah, je tapais avec la pioche moi. Je me disais de voir pas, il croquait pas. Ouais, non, en soi, déboîter la mâchoire, c'est rien. Toi, tu la refous comme tu veux en fait. Enfin, c'est comme déboîter n'importe quel truc en fait, quoi. C'est comme ta fourchette quand tu la tords, tu peux la mettre en mal après. C'est la même chose. C'est quoi Terra Firma? Quand tu déboîtes quelque chose, il est plus facile à déboîter après. Ah oui, bien sûr. Ah puis oui. Il te reste combien de têtes à faire? J'en ai encore un stack à 50 et dans mon Croger, dans mon Underpack, j'ai encore 57 Wither à faire. Oh. Ah, peut-être pas tous les faire. Hein. Peut-être pas tous les faire. Au pire, t'es quoi? Tu peux t'amuser à continuer à les faire. Si jamais tu veux. Et ouais. Moi, je vais commencer un petit peu à avoir pour les graines hein, en attendant. Ça marche pas. En vrai, avec le Warpal, ça sert pas à rien qu'on soit deux à le faire. Genre. Je t'enverrai dans l'underpatch. Ça roule. Je vais mettre de l'iron à cuire. Hein. On en a full dans l'inventaire. Pas dans Applied. Hop. Voilà. Parti mon kiki. Il y a pas de muffling là-haut. Et j'ai du wither. Ah, je crois que j'ai les mêmes. Ah non, même pas. Ils ont été retirés. Pas parce que je suis pas comment. En soi, j'allais voilà. Faire deux opérations mes yeux à la con. Je vais faire deux opérations sous anesthésie générale, mais genre j'avais la flemme de subir des opérations avec un jour d'intervalle, autant tout faire et avoir mal qu'une semaine. Ah, deux anesthésies locales. Ouais. Genre ils te font un côté à chaque fois. Ouais, c'est ok. Merci Hacker pour le follow. Il y avait Draconix qui a follow avant. Bon, au pire, attendez. On va faire ce qu'on va voir tous les chaînes tube là. J'en ai eu deux. Bien. Nice. On va voir tous les chaînes tube quand ça sera fait. Et ben en fait, on n'a pas les bruits du Wither qu'on est dans l'autre monde. C'est cool. Alors. Et je t'ai envoyé un message Discord. Ouais, j'ai vu, d'un gars. Bon, on va faire 3 moutons de ça. Dis des Nether Star encore là. Enculé. Ça c'est good ça. Ça c'est utile. Donc ça on garde. Tiens, pourquoi tu mets pas un gros coffre pour faire cuire le fer pour pas t'embêter? Parce que de toute façon, mon inventaire peut pas prendre plus de place que le coffre. A chaque fois, de toute façon, je le remplis jamais ce coffre là parce qu'à chaque fois, je fais qu'un inventaire, je fous dedans. Donc ça change pas grand chose. Aïe. Trop bien. Oh, Nether Star! Ah bah, MDR, nice. Par contre, l'autre, c'est quoi qu'il a eu l'autre truc là? Je crois que l'autre truc qu'il a eu, c'est genre le bloc de diamant qui tombe, c'est ça? Maybe? Ouais, c'est ça. 9 diamants, ils ok. Bon, ce qu'il y a de mieux, mais ils ok. Table d'enchant, plus du cul. Oh, les guardiennes de merde.
Oh, enculé, j'ai eu un cœur. Putain, j'ai fait me faire one shot parce que j'avais qu'un cœur avec une connerie. J'ai fait mourir du coup du. De l'aine cristal K-pop quoi. Bon, Antis m'a laissé le choix, j'ai pris les 2 et 4 d'un coup, comme ça c'est fait. Ah, nice. Ouf! Plus creepy! Trop bien! La quête qui te demande de monter à 16 blocs de haut quoi. Bah ouais, mais maintenant je fly en fait, c'est cheaté quoi. Enfin la quête. Je tiens du cube quoi. On va aller chez BX avec ça. Oui, un arc-en-ciel. Nice. C'est quoi ça? J'aime pas les Change Cube quand ils disent rien par contre. Ouais, il y a peut-être juste rien. On va voir s'il se passait quelque chose quand même. Peut-être le bloc de diamant là aussi, mais le bloc de diamant c'est dans l'Ico Sidron. Donc m'étonnerait. Non, bah y'a rien. On va retourner à la base, on va faire chez BX. Puis on va se crafter cette graine de Nether. Enfin de Wither. Alors, le gargon truc on garde, ça on garde. Le jeu faire monter peut toujours servir. On a combien là? On est large en fait, encore en termes de type. On va voir. De toute façon, en fait, plus t'as de disques après, moins. Enfin, plus t'es type, ça remplit lentement parce qu'au final t'as tellement d'items que du coup ils vont tous aller sur le même shot. Ça fait évidemment c'est après la disquette est full en byte. Dans quel cas c'est différent. C'est con, non, j'aurais dû mettre des j'aurais dû mettre de l'éclairage dans ce truc, dans ce tunnel, j'aurais dû mettre des petites six lanternes en fait, mais maintenant que c'est fait c'est trop tard en fait. J'aurais pu mettre des trucs cool en fait. On va faire une petite déco, un petit truc arc-en-ciel bien dégueulasse. Tu sais les anti-blocs en fait. Ou des lumières, attends, fais voir dans les lampes y'a quoi. J'aurais dû mettre un vieux truc pourri, mais ça aurait été tellement loin à faire. Genre les lampes comme ça là. En arc-en-ciel. Un truc bien dégueulasse. Ouais, ça dépend, typonais, si jamais tu fais les 4 dents en même temps, si jamais tu dois en faire qu'une, tout ça, tu vois. Ça dépend de plein de trucs. Une vieille anesthésie locale ou autre à la con, oui. En fait, en anesthésie locale, tu t'en mets les couilles, tu peux conduire après comme tu veux, tu vois. UBX. Je vais faire le malin, mais j'ai la même chose avec les bâtons. Ouais. Hey, j'en ai testé l'arbalète sur l'Enderman. Ah. T'as que l'Enderman s'en bat les couilles en fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait en bas lui? On va aller voir ce qu'il nous a fait en bas. Alors ici la statue à Brine. Il produit combien? Bon, il y a une petite production parce qu'en température il est pas très élevé. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie pendant un temps. Là il est ses petits crushables à lave, machin, tout ça. Donc ça c'est bien d'aller. Et où ça donne? Ok. Mais il est au courant qu'avec genre ok, ça va, il avait fait les super rating elements donc. Mais on est d'accord qu'avec un générateur tier 5 il aurait pu alimenter n'importe quel truc, non? Ah, quoi que je sais pas. En vrai, ça a l'air de consommer quand même pas mal en fait en cobble. Non, ça consomme assez vite à cobble quand même. Après, c'était tes caps qui sont dans du cul aussi, qui fait que ça alimente pas trop vite. Mais avec des speed upgrades, je pense que ça suit largement parce que c'est combien? Le tier 5 c'est quoi? C'est tous les tics? À chaque tic t'as une cobble. Et tics c'est. T'as 10 tics par seconde. Ah, je pense c'est les câbles qui suivent pas. Mais bon. Et là du coup il y a sa petite tour qui fait du lithium. Je crois qu'après il y a tout qui est renvoyé derrière en fait. J'ai dit pas de conneries.
Après il avait fait les petites tours, après ouais les tours c'est pour le stockage, on s'en fout. Et par contre il a genre... En fait il a mis un magmatique truc, ah mais il a combiné... Ah non ok, non ok. Il fait les deux. Et ça produit combien ça? Ça produit 29 RF par tick. Alors que lui, je pense que ça produit quand même plus. Ah mais il a pas les upgrades. Ah 29 RF par tick c'est pas dégueu. Puis là en fait le truc c'est juste qu'il a jamais de lave quoi. Et du coup il perd en chaleur tout ça en fait. Alors le truc ici est full lave mais ici il y a jamais de lave quoi. Bon, en vrai c'est juste peut-être que ça consomme trop. Salut geek fou. Salut salut. Comment vas-tu? Merci pour le follow. Donc ici c'est son truc de minerai. Et en fait je crois qu'il est plus alimenté mais je sais pas ce qu'il a branlé pour pas, pour qu'il soit plus alimenté. Il a dû chier en fait je pense non, je sais pas accès à ça d'accord. En fait y'a plus d'énergie qui arrive ici. Je sais pas ce qu'il a branlé. Il a modifié un truc sur le contour en tant que porteur de sa production d'énergie et... Je sais pas. Je crois pas, ça va nickel. Il a juste des piles qui sont de grade et il produit pas assez de lave. Ok ok. Ok ok. Bon. Et bien on va pouvoir se faire des Nether Star Crux. Dans Nether Star Crux Block. Donc pour ça qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut des choses qu'on n'a pas. C'est-à-dire de l'insénium. Déjà. Wait. On a des blocs de Supremium. Tu m'as dit qu'on avait un stack de blocs de Supremium, c'est ça? Ah oui, on a masse de blocs ouais. De Supremium. What the fuck? Du coup, je peux jouer direct. Ouais, hier, il y avait 200k d'Inferium que j'ai mis en bloc. Et aujourd'hui, ah ouais, on avait 300k. Donc, Ouais, mais on est large. Tu vois qu'il manque? Ah, c'est bug de diamant, MDR. Il manque le truc le plus facile à voir, tu sais. Par contre les diams en soi on a pas tant que ça. Putain les diams ça s'obtient comment? Parce que le jour on va avoir besoin de masse diams. Bah pire le jour on a besoin de masse diams, graines quoi. Pas besoin de masse diams, juste graines. On en a une de graines hein, de diamants. Ouais pour ça. Non parce que le diams en fait ouais, et y a 3% 100... de chance quoi. 100 trucs d'armure à chaque fois là. Ok. Attends fais voir ouais. Le gravier là-bas. Gravier il est où? Ah en fait c'est full du cul. En fait c'est les machines qui vont pas assez vite. Faudrait que j'ai un truc qui donne tout le temps de la bouffe. Est-ce que jamais, si jamais je mets un mechanical user ici, ça lui donne de la bouffe à Journey 4 hein. C'est la grande question du jour. Et bon, on va multiplier les graines de mythical. En fait, avec une graine, en fait, regarde. Là, tous ces champs là, ils ont été faits à partir d'une seule graine. Une graine. Et après au fur et à mesure en fait bah le farmer à chaque fois il a 5% de chance de choper une autre graine. Il va la planter tout seul tout ça tout ça. Ouais après je peux enchanter des sieves aussi. Je peux les enchanter avec un sieve efficiency et un sieve fortune. Efficiency j'imagine que ça fait que ça va plus vite et fortune j'imagine que ça fait que ça t'as plus de loot quoi. Ah faire ça, ah faire ça les gars, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Attendez, j'ai fini de crafter mes trucs là, mes crux. Putain en fait j'ai masse crux hein. Oh. Ah mais on va chier des Nether Stars comme Jaja. Ok. Ok ok, alors si efficiency. On a dit si efficiency c'est quoi? Qu'on procède un or gravel. Ah non ça c'est si fortune. Donc il va falloir un stack ennemi de qu'on procède un or gravel. Ça c'est l'endstone, et après l'endstone quand tu l'accroches ça te fait l'under gravel. Faut crush l'endstone et faut recrush derrière. Attendez. Ah ok, ouais donc je vois. Ah c'est vraiment full qu'on possède hein. Ah c'est ça ok. Ah on va... Ah bah c'est ça là dedans hein. Et après il y aura juste celle qu'on possède quoi. J'ai un stagmate qui traîne là haut. Parce qu'après, putain merde l'endstone faudrait peut-être que je fasse une graine d'endstone. Wouah non au pire mais les couilles je vais un... Non mais en fait je fais un tour dans le dans l'autre monde à la con là. Et en 2 secondes j'ai full endstone. Donc non je vais pas me faire chier à faire des graines d'endstone si je peux les farmer en 2 secondes. Et merci le geekfou et son body pour les follow. J'ai pas vu.
Les graines de Nerstar, non, je crois que tu peux pas les dupliquer. Pour le coup. Les graines de tier 6, t'en as pas en rab en fait. Puis même si t'en avais en rab, de toute façon, il faudrait refaire des blocs en dessous. Donc, même si elle se replante sur un endroit où il n'y a pas de bloc, bah t'es niqué parce que du coup ça pousse pas. Ça pousse pas, ça pousse pas. On n'a pas un stagmill qui traîne en rab? Faut que je l'écroche à la main. On va partir sur un crochage à la main, tout ça, les gars. J'ai vraiment pas de stagmill qui traîne. Mais si, j'ai un stagmill en bas. 100% j'ai un stagmill qui traîne. Il y en a 3 normalement, enfin si je me trompe pas de ce que c'est. Ah bah moi j'en ai 0 là. Ah oui non mais 3 là-bas oui mais c'est pas cela que je veux. Ah putain mais déjà la musique était en pause. Bah ah, c'est ça que je veux mais j'ai pas envie d'y toucher parce que là ils sont occupés. Oh, en plus je suis naquin. Ouais ouais ouais. Non mais je parle pas de ceux-là hein. Enfin ceux dans la salle avec les cloches. Eh mais justement ceux-là j'utilise pas ça. Ah ceux-là je veux pas les utiliser. Eh ben c'est ce que je te dis, c'est pas ceux-là. Eh mais on en a pas d'autres en fait. Ah bon, si, tu les as foutus dans le coffre. À côté de trucs de Tinker. À côté des trucs de Tinker. Ah des tables. Ah si c'est... Mais non mais ça sert à rien à voir ça. Ok. On a plus un... T'as pas un hammer? Ah si j'ai un hammer, nickel. Bah c'est pas grave, je vais tout poser d'un coup et puis... Ça merde. Faire un petit coup d'escavette hein. Au pire en soi je pourrais juste faire un hammer, partir dans l'end et puis crush directement de l'endstone sur place à l'escavette hein. Ça serait 10 fois plus pratique, 10 fois moins chiant. Mais bon, vu que je suis con je le fais pas. Alors déjà j'ai crush ça. Comment ça c'est ce qui hate pas? Oh c'est mieux. Oh putain enculé. Alors j'ai l'inventaire un peu fou là. Ok la crush and stone. Ça m'en fait combien hein? En fait ça m'en fait assez. En fait j'ai pile poil ce qu'il me faut. Attendez. Non j'en ai même trop dans gravel. Il m'en faut 30. Il m'en faut 30, 30 et 30. Ok. Et en plus de ça, c'est du lapis à côté qu'il me faut c'est ça? Ah il me faut 9 lapis par truc. Ok. Il va me falloir de l'XP. Combien d'XP par enchant? 27. Bon, il va falloir surtout des bouquins quill. La texture est moche, non? Minecraft. Minecraft. Non, c'est vrai que la texture est dégueulasse du compressed endstone. Là-dessus, je peux pas te contredire. Hein. Ah, il y a ça que je voulais regarder aussi. Je voulais regarder le stockage d'énergie en haut parce que je crois qu'il marche pas en fait quand on est pas co. Pour je ne sais quelle raison. Ah, bah si, il a peut-être marché en fait parce que là il est full. Ouais, si, il a peut-être marché. Il a peut-être marché en fait parce qu'il aurait jamais été full sinon. Hop. Alors si vous vous demandez pourquoi je prends pas 56, 54 levels directement sur moi, parce que ça ferait pas d'XP. Ça serait pas opti. Donc bon. Ça ferait perdre beaucoup trop d'XP. Ouais non mais t'inquiète mais on a XP infini avec la ferme à mob. Donc ce n'est pas un souci. Ok, donc c'était 6 fortunes et 6 efficiency 5, c'est compressed nether gravel. Et alors que nous laisser nether. On n'a jamais assez de netherrack, je vais aller dans le nether. Attends, parce qu'on est d'accord que la compressed nether gravel. C'est juste. Ah, c'est de la crush netherrack, putain, faut que j'aille avec le truc. On va y aller avec ça. Je vais cheminer avec ça, avec l'excavate en fait. Et il m'en faut combien pour le 5? 40? Ok, il va falloir 120 x 9. On va faire pas mal en fait. On va remplir un bon inventaire pour ça un petit peu quoi. Euh...
Hop, ça on va remettre ça dans Applied. Ça je vais remettre ça là-dedans. Bon le bouquin c'est pas grave si on est en terre. Donc on a dit que c'était avec ça qu'il fallait que je mine. Oh. Oh, ça va être long en fait à faire. En fait j'aurais jamais assez. Parce qu'attendez. Ah oh, je sais pas, hein. On va voir. Pierre. Et bon, ensuite, je vais faire comme ça et puis je recrocherai la Netherrack à la base, c'est pas un souci. J'aurais dû en faire un, j'aurais pu en crafter un. Bon. Je sais pas s'il y a une dragon. T'as un aimant au lieu de t'emmerder. Ça change rien parce que quand tu creuses à l'excavate, tout te tombe dessus. Demandez à BX s'il y a un dragon quand même parce que on a plus. Vu qu'il n'y a plus de dragon ça serait con. J'ai tout perdu dans la lave sans aimant en an parce que du coup il y a tout qui monte dessus quand t'excavate. En fait quand t'excavate t'as tous les items qui drop à l'endroit du bloc que tu pètes. Alors crush Netherrack. Ok j'ai un stack. Ok j'ai que un stack. Là je peux faire que une fortune. Enfin que une efficiency 5. Ça va être compliqué du cul ça. Et moi du coup. Mais c'est pas pour les outils en fait. C'est pas les outils que j'enchante là, c'est, va, c'est les trucs de merde. On recommence à partir à cause de mon pick-up à la cour en plus. En vrai, on a acheté trop de machines. On a acheté 15 000 fois des machines qui servent à rien. C'est pour ça qu'on recommence une partie sur Farming Simulator pour ceux qui n'ont pas suivi. Simplement, parce qu'on n'a pas eu trop de thunes. Parce qu'on a fait des cons. Hein, on faisait des prêts dès le début pour acheter de la merde. Donc forcément, quand tu commences dès le début à faire des prêts, tu sais que tu vas pas être rentable très longtemps. Enfin, avant très longtemps, je veux dire. Simplement. On va recommencer une partie là tout à l'heure après le live en off avec BX et puis on continuera ça demain. Y'a pas un hammer plus cheaté, j'en ai aucune idée. Pour ce que je fais j'en ai aucune idée. En soi il me one shot le truc en fait donc je m'en fous. Je m'en fous que ça cheaté ou pas, il me one shot le tas. Juste à tout poser. Putain je me suis fait peur avec ma tête. Fuck. Hop. Fous la moitié. Ah, il me reste 35 wizards à faire sur les 1 stack et 57. Ça roule. Attendez, il va m'en falloir des booking quill. Alors il m'en faut. Comment ça faire nuit hein. Putain, il faut des plumes. Oh, yeah. Bon, on va ouvrir des loot bags. On va ouvrir des loot bags verts pour avoir des plumes. Ah, en plus les verts c'est ça qui te donne jamais le truc que tu veux. Toujours comme ça avec les loot bags, t'as jamais su que tu veux. Là j'ai vraiment plus de quoi me faire des booking quill en fait. Bon j'ai déjà commencé par prendre l'XP qu'il me faut. C'est combien d'XP pour un enchant level 5 comme ça? Est-ce que c'est toujours 27 hein? Voyons voir les recipes hein. Ah, ok, c'est 33. Je disais bien, c'était pas le même. Hop. Pour dans le laser. Non, bah après, sur pareil. J'aurais pu mettre un breaking dessus. Tu sais, j'ai les unbreaking 10. Hein. Je pourrais foutre un breaking 10 sur mon armor et puis je serais tranquille pendant 2 heures. Mais flemme. Point de compte juste. Vous montez la luminosité. Hop. Je sais pas, ça changera grand chose. Mais bon, on sait jamais. Ah si c'est mieux.
c'est mieux, comment c'est vraiment faire nuit. Temps de merde aussi dehors, hein. Être pro. Est-ce qu'on a une plume? Oh, on a 3 plumes, putain, la chatte. J'ai mis que des trucs et j'ai eu juste ce qu'il me fallait quoi. Deux os chat, puis là maintenant on a plus de poulpe. Ça va être casse-couille ça. Ça va être casse-couille ça, dis donc. Bon, j'espère qu'on aura plus. Tu peux avoir du poulpe avec. Comment ça s'appelle les essences qu'on avait. Non. Bah, la daille essence si. Non. T'es sûr? Ouais, oui. Pas le poulpe et pas le lapis. C'est des colorants. C'est pas des colorants en fait. Végétaux. Ah, en plus. Alors comme ça, ça la vie ici. Ah ouais. Ah si tu peux, avec la daille essence, tu peux avoir du mink sac. Sérieux? Mais on avait regardé la dernière fois, je pouvais pas en avoir. Bah si, c'est 3 en haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah je le savais bien quand même. C'est quoi ce bruit? Tu l'as entendu comme moi. C'est le bruit du QS Guardian ça. Y'a un connard qui est parti dans les mauvaises coordonnées, c'est ça? Caca. Ah, on peut avoir des insects. Un bruit genre vénère. Non, il était vénère du cul le bruit. Ouais ouais. Ah ouais, j'ai rien fait, je suis à la base hein. moi je suis en train de faire mes wizards donc Ça c'était chelou. Peut-être qu'ils ont le sang désactivé, j'en sais rien. Non, mais... oh, il va falloir combien d'XP par contre putain pour enchanter mes merdes hein. Ah mais dans la ville ça passe. Oh, ah mais non. Je vais prendre 45 milliards de level. Et puis nique sa mère hein. On a un Enville. On a une Enville. C'est moi qui ai un portail de l'Envania, c'est peut-être pour ça. Ah! Tac. Ouais, attendez, on va prendre 40 levels sur nous, on va pas se faire chier. Ah! On a un léger souci d'XP. Je vais peut-être en chier. On va peut-être faire autrement, les gars. Tu veux que je ramène mes 45 d'XP ou pas? Non, non, je vais faire deux par deux, t'inquiète. T'es qui de peau? En fait, si j'ai fait 10 par 10, c'est level. Ça consommera beaucoup moins. Wait! Oh, mais. Ah, je le disais. Si j'ai fait 10 par 10, en fait, ça a quasiment rien consommé parce que le truc est niveau 28. Quoi. Ah, je consomme combien pour rajouter ça ensuite? 10. Ok, on va faire 12 par 12 maintenant. Hop, et on peut en prendre 6 levels. On s'en est good. Y'a pas des cubes d'XP dans la E? Idée. Oh, je me suis niqué putain le Laft. Oh, y'a pas le bon call de faire ça. Ah vache. Ah si, j'ai la solidifiée d'expérience. Hein. Ah, écoute, j'en profite pour la remettre de là-dedans pour stocker un XP un petit peu. Pas du tout prendre sur moi, j'ai tout stocké. Comme ça. Mais ouais, bien vu. Bien vu, l'ami. Oh, fait chier, il manque un level pour être stocké par disque. Oh! Bon bah, hop. Et bien, on va pouvoir mettre ça. Je sais pas si ça va aller plus vite du coup. J'imagine avec l'efficiency. Ça a l'air d'aller plus vite, mais ça peut l'air officiel quand même. On va voir combien ça en sort. Hein. Ah oui! Ça peut plus enchanter stacker avec un seul livre, je pense pas, ça m'étonnerait. Bah pire, tant pis hein.
Ah, au pire, c'est ma faute. Hein. Merci aux autres par le follow. Donne-leur une pomme. Ouais, je sais, mais ça dure 5 secondes. La pomme, elle dure 5 secondes, genre de joke. Après, avec une pomme, c'est sûr que c'est craqué. Avec une pomme, le souci, c'est les items. C'est les items de merde en fait. Ouais, je mets des speedwagon. Hein. Ouais, on va peut-être mettre des speed upgrades. On va peut-être faire des speed upgrades, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Putain, faut de l'électrical steel, tu te fous de ma gueule. Attends, faut voir si je clique là-dessus, si j'ai tout. Ah, ce que j'allais dire, je vais pas avoir tout pour très longtemps. Electrical steel, c'est quoi? Oh, silicone. Iron. Et. Chalboum. Tipotimon Kiki. Alors, ça encroche. C'est vrai que j'ai du Dark Steel qui me reste. Ah, c'est vachement plus rapide à faire que le Dark Steel, dis donc. Oui! C'est pour me délire. Pas les seals pour les diamonds? Non, t'inquiète. T'inquiète. Ah ouais, ça dure une bonne trentaine de secondes, voire une minute, mais bon. Mais c'est pour ça en fait que je me demande. Est-ce que ce serait pas worse de genre mettre un mechanical user ou autre avec une pomme, tu vois? Alors tu fous un stack de pommes dedans, tu vois, puis ça marche un petit peu pour un petit moment. Histoire de vider en fait tout stockage de gravier et tout que j'ai qui traîne depuis 3 semaines, tu vois. Parce que là j'ai du gravel là qui commence à s'accumuler un petit peu. Et du coup, les ressources ça sort pas très vite. Salut Margie, comment vas-tu? Ah, j'ai plus de torche de redstone, ça c'est un sacrilège. Comment tu veux pas avoir le truc qui est le plus simple à craft du jeu, quoi? Ok, puis j'ai plus de piston non plus. Y'a pas les diamond auto sieves. Alors c'est des auto heavy sieves. Et en heavy sieves t'as pas, en fait t'as qu'un truc. Simplement. Simplement de simplement. Bon là déjà ça va sortir plus vite les items quand même. Ouais ça sort 12 par 12 quoi. Ça devrait bien vider le truc quoi. Je vais en mettre deux partout, je vais en faire de toute façon, il y a l'électrique hostile qui est encore en train d'en faire donc. Ah, je m'en vais de manière intéressée donc les sieves. Ouais, bah on aura ça plus tard, hein, mais bon, chaque chose en son temps, on prend notre temps, on profite. Hop. Voilà. Oh, bah, je suis trop malin. Et qu'on voulait faire. Bon, dans les users là, hein, c'est quel qui est bon? Celui-là. Lui il consomme que des GP, on s'en bat les couilles. J'ai 40 milliards de GP qui me servent à rien. Merci Margir pour le follow. T'as mis des suites de grade sur le 5000. C'est vrai, j'étais con à ce point. Ah, j'étais con à ce point, ouais. Merci l'info. Et tac, ça roule. Oui, il devrait marcher. Ah. Genre, j'ai pas de levier. Fait qu'il craft un stack de trucs à chaque fois. Hop, voilà. Ah, mais il s'en va déjà quoi. Petit joueur. Petit joueur. Hop. Ouais, pas besoin de faire les pommes comme un débile, ça je m'en doute bien. Et du coup, si je pose comme ça, ouais, ça se pose comme un piston quoi. Genre. Comment tu fais pour récupérer? C'est un use item on block, non? Activate block with item, ok. Ok, ok. Un activate block with item. Ah, c'est vachement bien foutu en fait comme truc ça. On a rarement fait des mechanical user, mais c'est vachement bien foutu en fait. Ah, par contre, ici. Voilà. Ça va chier les minerais! Ouais, je pense qu'il va falloir des speed upgrades encore. Hein. Ah oui, non, il va falloir refaire des speed upgrades, les gars. On va refaire encore un petit peu de silicone et tout ça, hein, parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. On va faire des pumps plutôt. On va faire des pumps, j'ai plus de bouffe.
On va refoutre masse pomme au truc là. Nickel. Oh. Oh mamma mia. Y'a vraiment de la merde les cabanes de rayon. Y'a rien à dire en fait, vraiment de la merde. Ah, c'est pratique. Mais qu'est-ce qu'il faut des upgrades quoi. En fait, y'a tellement des câbles plus cheatés. C'est pas qu'ils sont merdiques, c'est que les autres câbles sont tellement overtune, complètement craqués du cul. Bah, du coup, t'as l'impression qu'ils sont merdiques. Bon, tu fais un câble de mécanisme tier 1, c'est un câble de Dario avec ses upgrades, tu vois. C'est genre ça. Et c'est comme ça. Ah ouais, mais ce que je vais faire, hein. Faire full upgrade dans chaque sortie et puis X sa mère. Ah, déjà on va mettre 5. On va mettre 5 partout. Or avec 5, comment ça sort? Ah, ça sort demi stack par demi stack. Ça devrait être mieux déjà. Ah putain, par contre, quand ça fait trop. Ça te les chie dehors. Oh non. Ah ouais non, c'est pas cool ça. Ah oui non non, c'est pour ça. Ouais non, faut que ça sorte vite quand même. Non, ça va être bon là de toute façon. Parce que vous voyez là, ça gère quand même assez facilement les trucs. Et bien ça devrait. Fini. Nice. Bon, oh, pire, je vais en refaire pour avoir un sûr, hein. De toute façon, on va pas se prendre la tête. Hein. Si avec 7, ça prend 32, avec 14, ça prend un stack. On est d'accord. Sur un calcul simple comme ça, en prise de tête. On est d'accord que c'est ça. Comment t'as réussi à avoir un auto aussi aussi rapide? Y'a du la bouffe! Je lui fous de la bouffe, il est enchanté. Et du coup voilà, enfin j'ai enchanté les sieves en efficience 6-5. Et il a de la bouffe craquée du cul aussi. Simplement. Ouais ouais, je suis bien à HL. On sait jamais. On sait jamais. Ah oui, non mais ok, non mais là y a plus à se prendre la tête en fait là. Là c'est. Bon, et bien Applied, ça va se remplir vite hein. Alors après là c'est le temps que ça vide en fait là, vous voyez en haut. Genre ici là, il y a tous les doubles compressés de gravel, tout ça, et en fait il y a 13 stacks de doubles compressés. Donc en fait il y a genre une centaine de stacks de compressés à passer. Donc ça en fait des blocs hein. C'est pareil, il y a 13 stacks, il y en a 14. Donc c'est le temps que ça traite tout, ça va vite remplir la play par contre. C'est pas grave, on a eu le stockage. En fait pour la bouffe, il te faut un mechanical user. En fait il te faut un truc qui fasse comme si t'avais un joueur qui lui cliquait dessus. Donc par exemple tu peux très bien utiliser des mechanical users de extra U, qui sont très simples à utiliser. Et il faut juste qu'ici soit écrit activate block with item. Si c'est pas écrit activate block with item, ça marchera pas. Et en fait du coup là, quand tu regardes, tu vois que là en haut il y a un speed boost de 7. Qui fait qu'il va ultra vite quoi. Que sans la peu speed bouffe, c'est pas encore ça quoi. Donc l'enchantement il change pas grand chose. Après l'enchantement fortune dessus, je pense qu'il est quand même utile. Notamment pour tout ce qui est diamant ou autre. Je pense que c'est quand même très utile ça. Pour le coup. Ika. Mais surtout le mécanisme que l'user qui change. Ouais. Pourrais-tu me passer mon casque s'il te plaît? Mon casque? Ouais. Pourquoi? Je vais mettre un truc de Nagi. Ah, mais t'es au courant que là, le casque on va le changer soon. Mais c'est pas grave. Ah, bah vas-y. Tu crames pas nos Nether Stars pour faire ça, hein? Non. Et tout? Bah, y'a pas besoin. Ok. Bah, nice, Dr. Caillou.
Après en bouffe pas chiante, en vrai y en a plein à faire en fait. Une fois que tu commences à avoir un peu d'énergie, un peu de trucs pour automatiser ou autre, même des champs, tout ça, la bouffe franchement, genre t'en chies comme pas possible. Chez Magali. C'est ouf. Cadeau. Chier. Il fait dur. Alors bon, moi j'ai des crux blocs. Et du coup, il va falloir que je fasse des Nether Starseed. Parce que c'est cool les Nether Starseed. Et du coup, il va falloir que le supprime, que je le modifie. Et que l'on fasse de l'insanium. C'est cool l'insanium. Attendez. Okay. Ah putain, faut les crafting seeds. J'ai envie de me pendre. Il y en a déjà, je crois, de fait. J'en ai des tiers 4. Nice. Que j'avais commencé. Il faut 10. Et du coup, il va falloir pour ça. Ok, ok, il va falloir par contre un petit peu. Hop. Nice. On a 10 grains de Nether Star en plus, ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors c'est où les grains de Nether Star? C'est par là-bas. Est-ce que ça a replanté des petites graines de gaz? Non, pas du tout, parce qu'évidemment on n'a pas de bloc en dessous qui fait que ça pousse. Pas du tout. Donc ça tant pis. Écoutez, vu qu'on a 10 graines, on va faire quoi? On va les planter là les trucs. On va les mettre là pour l'instant. On va les mettre là. Nickel. Bah les grosses on les fout en dessous, mais il va falloir que j'en mette beaucoup plus par contre. Pour que ça pousse beaucoup plus vite. Parce que sinon c'est ultra loin poussé. Et c'est la merde. Et comme ça le farmer pourra check assez souvent les trucs, ça serait cool. Ouais j'aurais pas la smart pack à Noël car mon PC est pas assez puissant rip. Hein. C'est vrai que ce mode pack en fait il est... Il consomme tant de RAM que ça en soi. Non, là pour l'instant je suis autour de 4 Go de RAM consommé, même 5. Ouais, ouais si. Ah si, il consomme quand même. Il consomme en fait. J'ai quand même un 6 Go quelque là. En fait il consomme juste en RAM. Après en termes de puissance graphique ou autre, on s'en bat les couilles quoi. Parce que t'as pas grand chose à charger au début. Et du coup en fait t'es sous terre dans ta base. T'as quand même 240 mètres quoi. T'as accès à un sunwand qui marche sur les machines et essayer pour que ça fasse plus vite. Je sais gazon, mais je trouve ça beaucoup trop caqué pour utiliser. Pour le coup. C'est genre no fun en fait. Donc c'est pas mon délire. On a des gros accélérateurs qui traînent. Encore ici. En bas. En bas ouais je sais qu'il y en a mais je sais plus combien il y en avait. Ah oui. Bah il m'en faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre un stack sous chaque graine parce que j'avais déjà mis un stack avant. Il va falloir creuser. Oh putain ça pousse en vrai. Hein. Non ça pousse. Non ça pousse pas. La merde. Oh. Oh, mais attendez on va changer de pioche. On va faire changer de strat. Hein. Ah mais non ça pue du cul comme ça. J'ai peur de tout niquer en fait. Ah en plus ça fait des ghost blocs de merde. Non on va rester à la pioche tranquillou, on va pas se prendre la tête genre. On va faire ça bien, on va faire ça propre. L'accélération de wand est craqué, tu veux pas automatiser donc c'est pour les boosts manuels de temps en temps. C'est pas craqué. Oui mais même si je prends des boosts manuels de temps en temps c'est quand même assez craqué quoi. Alors un boost manuel quand même de temps en temps qui te prend d'accélérer le truc de bâtard, je sais pas ça quand même craquer quoi.
Tu saurais me dire on a quelle couche en hauteur dans les champs là-haut? Ah quoi quoi pire en fait on t'emmerde pas, je vais me fixer par rapport au bloc de gros accélérateur que j'ai à côté. Sans souci. Je vais voir ce que j'ai creusé avec. Après je creuse jusqu'à la couche 10 de toute façon. On est en couche 74 en haut. Ok ok. Non mais le vide t'es pas un souci de toute façon À la terre hein, vraiment. Ah ouais t'inquiète. Le vide t'es pas un souci parce que j'ai un charme qui fait que je peux pas mourir en fait dans le vide. Donc nos problèmes. Je peux monter dans le vide en fait, bah les couilles quoi. Ah c'est trop chiant quand tu fais par contre. Oh. Je reviens juste 5 minutes. Ça roule, à tout. C'est ta pioche qui fait 3x3. Ouais. Un pioche qui fait 3x3 quand tu joues de 1, c'est quand même pas pratique. Après, oui, je te comprends. En soi, c'est vrai qu'il faudrait que je creuse toute la salle de toute façon. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'en soi, il faudrait que je creuse toute la salle. Mais vu que c'est en 4 de longueur, en fait, c'est chiant, tu vois. T'es kick-mollé quand t'as plus de stack. Ouais, je sais, j'ai vraiment pas l'habitude de ce truc-là. Bon, du coup, ce sera pas aujourd'hui qu'on aura buté les dragons parce qu'on a trouvé pas mal de trucs à faire à la place. Hein. Du genre, il y aurait les minerais. Hein. Quand même vachement plus pratique. Mais bon, bah on fera les dragons demain comme ça. Au moins là, tout sera prêt. C'est-à-dire qu'on a vraiment les graines de setup et tout ça. On va vraiment avoir les ressources. Que ce soit les larmes de gaz, que ce soit les Nether Star et tout ça. Pour pouvoir refaire des Zen Crystal et farmer les dragons à foison. Et puis on verra peut-être pour voir comment fonctionne Avaricia aussi. Pour être fun. Il faudra que je refasse un peu de production d'énergie, il faudra qu'on fasse des autographes, qu'on fasse des stockages, tout ça. On a vraiment masse truc en fait, un projet là à faire, donc c'est bien. C'est cool, c'est cool. Au moins, je fais pas chier. Donc bon. Donc bon, donc bon. Bon, on va s'assurer de pioche là. Ouais, c'est pas le même délire. Hein. Nice. On est full en retard. On est full comme là. Hop. Juste creuser à côté. Avec ma petite pioche du cul. Mon marteau est mieux. Oui, mieux. Ah, mais là ma pioche elle creuse beaucoup plus vite en fait. C'est juste qu'en fait à chaque fois que tu tombes, tu perds l'efficiency. Mais elle te one shot presque la cobble. Enfin la stone. Puis elle m'a rien coûté à faire. Donc bah des couilles. Ouais mais les poulets je suis moyen fan. Enfin, poulet j'avais fait sur Modern Skyblock et c'est vraiment trop facile en fait quoi. Puis c'est chiant de rester devant en attendant qu'il copule tout ça en fait genre. T'as rien tu vois, c'est juste un pauvre poulet qui est dans son truc, t'as pas de champ à faire, t'as rien tu vois. J'ai cliqué molette mais après avoir ouvert mon inventaire. Putain mais en plus ça m'en a pris 12 quoi. Pas les fillers, tout du genre. Si, mais le temps de crafter, le temps de se taper tout, ça a été la merde. Et il y a bien build aussi, ça change un petit peu. C'est bien de poser des blocs de Minecraft quand même. Un peu le but quoi. Un peu le but du jeu hein. Nickel.
Nickel, nickel. Ah, full Nether Star. Alors en vrai c'est un peu con ce que j'ai fait parce que le farmer il met du temps avant de tout check. Bah, c'est pas grave. Ça sera mieux en fait qu'on aura tout le champ, que ça sera cool, tu vois. Ça sert pas à grand chose de mettre autant de gros accélérateurs avec un farmer comme ça. Et là en fait, ça repousse direct instant, mais le farmer il va mettre 3 heures avant de revenir quoi. 13,2 de minage speed. Cette pioche là elle a 40 et quelques. Après s'il mine 3 par 5, j'oublie une graine. Comment ça j'ai oublié une graine? Tu sais que j'ai oublié une graine les gars. C'est la dernière graine ça. Ah putain celle-là. Oh la vie pue la merde. Ah mais du coup j'ai pas les blocs sur moi. Ma vie pue encore plus la merde. Oh. Faire une colonne de farmer aussi. Ah. Non, après t'as des meilleurs trucs que les farmers mais. Ça crash? Yep. Ah bravo. Ah bravo. Putain faudra que je fasse ça sous le champ de gaz aussi. Ah peut-être pas faire autant sous le champ de gaz en soi. Hein. Ah non c'est con ce que je vais faire par contre. Caca. C'est pas ouf. Non c'est plus rapide de t'en remonter hein. Non mais là t'as pas vu en fait la vitesse de ma pioche HL encore. Comme je t'ai dit en fait tu creuses beaucoup moins vite. Là tu vois ma pioche là quand je creuse en descendant je one shot pas les blocs. Alors que j'ai one shot en fait si jamais t'es pas en pleine chute. Et à chaque fois t'as la petite frame en fait que t'es dans les airs où tu mines beaucoup moins vite. Moi j'ai pas testé vraiment la vitesse hein, mais je sais que cette pioche là elle va aussi vite que celle là qui est à 34 au moins. On va faire les tests hein mais je sais qu'elle est quand même très vite quoi. Pour ce que c'est. On va faire les tests là-bas. Là ça c'est 34. Et c'est exactement la même vitesse. En chute ça ralentit beaucoup en fait pour ça. Et regarde celle-là. Donc c'est pour ça. Et alors qu'en chute tu vois là celle-là elle est comme ça. Mais en chute tu vois elle est comme ça. Elle va moins vite parce que chaque fois t'as titré mon laser ou ça te nique trop quoi. Mais non bah après ça mine comme assez vite quoi. Oh, y'a sûrement mieux en hammer hein, de toute façon. C'est même sûr qu'il y a eu un hammer de toute façon. Si les trucs en infinity ou hammer, c'est fait du slip, mais. Et voilà. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire les trucs en infinity après qu'on aura Varicia. Enfin, le jour où on aura Varicia. Je me projette comme si on allait l'avoir demain, mais. Ce sera pas du tout le cas. Enfin, évidemment. Après, c'est toujours difficile de se rendre compte de toute façon de la vitesse d'un outil sans l'avoir vraiment en main ou autre. C'est juste du supprimer, ok. Alors après, il suffit que ce soit full boost restone et tout ça pour que ça aille encore plus vite, tu vois. Donc, ouais, non, c'est compréhensible. Et ça roule, t'es marre. Ça roule. Et qui voulait faire, moi? Ah, oui, j'ai dit que je voulais faire le champ de gaz aussi. Et du coup, faudrait que je fasse un accès pour aller en dessous. Non, on va pas tarder à stopper le live en vrai. Champ de ghast, où es-tu? Tu es là-bas. Non, parce que ça t'as accès à quel champ avec ce truc là? Que je comprenne comment t'as fait ton truc. T'as accès à celui-là, t'as accès à celui-là. Ok. Où suis-je? T'as accès à celui-là, t'as accès à celui-là, la bataille. En gros, il y a 4 accès. Et si je suis la logique, ce champ-là a l'accès. Ouais, sinon, je suis un accès là en fait. J'ai un accès là pour les deux champs là quoi. On va faire ça. Merde, je suis un trop bas. Attendez. Bon, on va creuser à l'arrache, on fait un gros tunnel et puis nique sa mère. On peut se faire chier. Ok. Je suis content pour pouvoir passer après autour du champ. C'est quand même rapide comme pioche.
trouve ça cool. Bon, ça fait le taf. Et ça, c'est le champ du truc, hein. Ah, d'accord. C'est le champ du truc. Et ma graine, elle est où? Elle est au milieu là-bas. Ok. On va prendre un petit peu de gros accélérateur. Prochain outil, c'est la largeur. Largeur de quoi? Le minage, tac. Et tu, comment tu augmentes la largeur du minage d'un marteau? T'as une upgrade toi? Tu es un fils de pute? Ouais. Ah, ça marche pas là-dessus! Oh! Drop Bar 3 marche pas là-dessus. Ah, c'est con quand tu fais sur un truc qui marche pas. Ah, salut! Ah, j'ai oublié que j'avais laissé un truc. Un truc d'espace. D'ailleurs, j'ai pas fait ici. Ah, cool le champ. C'est que par ça que ça doit être fat quand même avec un armure. Ça va être putain de fat. Hein. Ouais, pour faire pousser la cobble plus vite, ça va être jaloux. T'es con qu'en vrai la stone de cobble faut pas la foutre, enfin tu sais la stone de la seed de stone, faut pas la foutre par exemple tu vois, sur de la stone haute. On va la planter. Ça aurait pu être marrant. Mais non ils sont en bas. Je fais n'importe quoi. Ouais. On va prendre, vas-y on va prendre tout ça. J'ai vidé en cobble. Hop, nickel. Ouais, clic molette, blablabla, nique sa mère. Nique sa mère. Tout à fait. Et quoi, quand on regarde notre champ, c'est Ghast of Tears. Parce que Nin Ghast of Tears pour N Crystal. Pour faire Pop Dragon. Que Nin Mass Grain d'Awakened Draconium pour décorer ça là. Quand je ferai stockage d'énergie et tout avec Draconic Evolution, je ferai une immense salle full Awakened Draconium en déco. Un truc bien moche, comme on aime. Mais un truc overkill, simplement. Et du coup, faut tuer pas mal de dragons. Mais d'ailleurs, le voir pas la décapitation sur le dragon, est-ce que ça one-shot le Wither? Enfin, est-ce que ça one-shot le dragon comme ça one-shot le Wither? Ça peut être fun. Hein. Parce que bon, le Wither, tu lui mets un coup avec mon épée, il meurt. Est-ce qu'on peut faire pareil que le dragon? C'est pépé bichette. Au bon vêtu. En fait, en vrai, je pourrais faire ça de temps en temps, le farmer il verrait même pas le diff. Hein. Ça a repoussé, le farmer il a toujours pas de check. Hein. Non, après, c'est pas grave, on s'en fout. Tant que ça marche, de toute façon, j'en ai 4, je pense aussi. Puis demain, ça, le champ aura bien évolué, je pense. Sans pression, pareil. Hein. Au début, c'est long quand t'as qu'une graine. Après, quand t'en as 2, bah forcément, c'est 2 fois plus vite. Quand t'en as 3, ça va forcément 3 fois plus vite, etc. Après, ce spread en fait, tiens. Vorpal, ça hausse les boss. Eh ouais, c'est décapitation. T'as une chance quand tu tapes hein, de one shot un mob. Peu importe lequel. Enfin, en tout cas, sur le Wither ça marche. Donc, est-ce que sur le dragon ça marche? Je sais pas. Mais c'est fun. C'est fun en tout cas, ça c'est sûr. Faire Nether Star, on en est où? 79. Not bad. Et les N Crystal. Qu'on regarde, c'est bien ça. Hein, ouais. Bon, après, faut du verre, mais. Si c'est que ça le souci. Hein. J'ai envie de vous dire, puis on fait des graines de verre. Faire des graines de verre? Ça existe? Ça existe pas. Ah! On fera une graine pour le sable. Ah non, faut deux graines pour le sable. Enfin, j'en ai déjà en soi. J'en ai déjà. Tu fais ailleurs dehors, t'as pu se régler. Pouche pouche démarre. Pouche pouche. Au pire, si je manque de sable, je me sers là-dedans quoi. Au pire, manque de sable, tu vois, je prends. J'en prends un petit peu comme ça. Je squatte un petit peu. Je fais ça.
Puis je fais ça. Puis je fais ça. Puis voilà, j'ai du sable. Pas un souci. Hop. Bon, N cristal. 25. Correct. Là, ce qui me manque, c'est que je sais qu'il y a ça de tir en fait, c'est juste que je change ce spread. Je pourrais check peut-être de refaire. Bah non, je sais pas. J'allais dire, je pourrais check de refaire une graine, hein, sauf qu'évidemment, je viens de cramer toutes les gars de tir, donc c'est chaud. Mais il me reste peut-être assez de chunk pour en faire une. Je pense en chunk, je pourrais en faire une de graine. Je vais en refaire une deuxième, ça, sera plus, ça ira plus vite. Je vais juste prendre du fertiliseur du coup pour faire pousser plus vite un petit peu et puis. Hop. On va mettre des aigles avec net à connaître bloc sur les crucibles. Hein. Ah ouais, en effet. En effet, ça irait deux fois plus vite. Et du coup, faudra deux fois plus de cobble. Du coup, faudra des meilleurs câbles. Les quicks et Nether Star. Ouais, au pire, je crois que c'est en off. C'est pas un souci là en fait. Là, ce qui manque. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on a tout de Wither. Mais là, déjà, ça me chie. Eh, franchement, demain, on revient, les gars. Là, j'ai mes 3000 Nether Star, c'est pas un problème, tu vois. On verra bien de toute façon après en temps donné qu'est-ce qu'il nous fera comme ressource ou autre quoi. On verra bien en temps voulu. Hop. Du coup, on a dit qu'il me fallait des chunks. Il m'en faut 4. Bah, tu peux laisser là-dedans. Pour ça, faut que j'upgrade. Nickel. Et là je vais faire la gasse à tir. Parfait. Et du coup pour la graine, est-ce que j'ai tout? Bon, nickel. Plus qu'à planter. À planter ça où? À planter ça là-bas. Hop. Voilà. Ça ira plus vite comme ça. Avec mon groupe, ouais, je 5 hit les wizards, donc je tue en 5 secondes, ça va bien aussi. Ouais, après, oui, après le, moi j'aime vraiment pas le coup près comme je dis. J'aime vraiment pas le coup près. Donc bon. Non, mais je trouve bien mon épée. Elle est cool mon épée. Ça change un petit peu de Tinker, tu vois. Toujours Tinker, Tinker, Tinker. Ça change un petit peu. Bon, Avaricia. Ouais, j'ai envie juste de faire la table en fait d'Avaricia. J'ai juste envie de faire la table. Extreme Crafting Table. J'ai envie de faire la table. Ça devrait être simple à faire. Ouais, c'est juste de la Wizard Star. Par contre, ça, il m'en faut combien? Ah, faut vraiment de. Connard! Je sais pas combien il en faut, mais. Ok. Et ça, il m'en faut 8. Hein. Donc 4 ici. Oh, il m'en faut un sac quoi. Un sac, un mi-sac. Hop. Moi je dis easy du cul. C'est quoi la prochaine quête? Neutron. Non, faut juste un neutron collector, c'est ça. Ce craft. C'est les crafts complètement useless en fait, et merci Pepe Bichette tout à l'heure pour le flou. On va foutre ça où? Ça là où? Foutre ça là en fait, on nique sa mère. Hein. Fais voir le neutron collector là. Est-ce qu'on peut genre... Oh, y'a le bouton. C'est bon, y'a le bouton, he's ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Ça, il en faut. Nice. Y'a pas un détail pour savoir combien il faut d'items? Est-ce que ça, il en faut 7? Ça, il en faut 3, 3, 6, 6. Attends, attends. Il nous en faut 12, il nous en faut 17, il nous faut 20. Ok, donc ça fait 20. Il faut 7 de ça, 20 de ça. Après là c'est full quartz ici, il faut 10 de quartz là. Et le reste c'est de l'iron. Bon t'es quoi, je prends un stack de chaque. Hein. Et puis nique sa mère, je vais le craft. 1. Hein. J'ai envie de vous dire. Bug de redstone. Un stack. Quartz.
Iron, je veux dire un stack. Quartz, un stack. Et le reste, c'est quoi, c'est ça? Ah, c'est ce qu'on vient de crafter à l'instant en fait, il m'en faut 7. Donc au lieu de 32, il m'en faudra 28. Hein. Ah, nickel! Je vais pouvoir en faire 10 ici. Alors déjà, je vais en faire 1. Tiens, je vais en faire 1. Et boum! Bah, il devrait mettre plus de loot chest quand même pour ce genre de quête, hein, récompense. Là, parce que bon, un loot chest hein, pour avoir un Diamond Furnace. Après avoir crafté un dracon, un truc, machin, un collector, mes couilles là. Aïe. C'est un peu pauvre. Ça, on avait dit que c'était Witherproof ça. Ouais. Tiens, poubelle. Tu es Venom, comment ça va? Peut-être le poser ça. Ce que vous en pensez. Mais... Bon, ça, ça me saoule. Je viens de choper 40 000 merde sur le mob. Ah. Et ça, comment ça marche? Ah, bon, en fait, ok. Ah, oui, donc en gros, ça, c'est vraiment le truc. Tu touches la bite. C'est ton craft 1 et ça FK. Et à la fin du process, ça te sort. Ça te sort quelque chose. Ça te sort ça. Mais ça, il faut ça. Et du coup, il faut ça. Attendez, parce qu'après. Non, j'ai pas fait de craft auto parce qu'en fait, chaque truc, il m'en faut pour chaque truc. Enfin, c'est con ce que je viens de dire. Mais ça, il m'en faut pour des crafts. Hein. Ah non, merde, faut le tir vite. Je t'en mode, c'est pas mal quand même comme production d'énergie. Non, faut le tir vite avant. Ah, c'est con. T'es sérieux que tu peux faire ça comme bouffe? Mais let's go en fait. Non mais les gars, on a trouvé la bouffe de... Là on a trouvé la bouffe du futur. Là ça, tu mets ça sur la machine en bas là. Tu mets ça sur les sieves. Mais ça te chie un truc de ouf. Parce que bon, le lapin. Et il y a tout qui est craftable en plus. Attendez. Attendez. On va faire des champs après. Et prochain live on se fait ça les mecs. Prochain live on va se faire ça. Pour la bouffe. C'est quoi le troisième craft hein? Ah, c'est la même chose en fait. Mais en plus chiant. Une oreille. Bon ça c'est la nugget hein. Transmutation table. Alors oui mais non. Craftera peut-être pas avec ça du coup. Ouais. Infinity Code du coup c'est quoi? Ah ça va en fait. En fait le souci ça va être ça à faire. Est-ce que ça comment tu les fais? Ok. Bon ça va à faire. On va acheter les machines pour. Ça ça va. Ça ça va. On sait faire. Ah putain mais il va falloir ça. J'en bats les couilles on le fera. On bat les couilles. J'aurai des champs de tout. Il y aura des champs de tout. J'en ai rien à foutre. On fout, il y aura un champ de chaque. La salle en bas, elle fera 40 000 mètres. Il y aura un champ de chaque. Ouais, le chiffre en bas de la singularité, c'est le nombre de blocs. C'est bien ce que je me disais. J'avais un doute là-dessus. Bon, bah, on fera des graines aussi d'iron, de gold, tout ça. Ça, ça va à faire. Ça, c'est largement trop. Ça, c'est ultra simple. Ah putain, faut décéder. Ah, mais tu peux faire décéder en fait via des essences. Ok. Y'a trop de trucs! Bon, ça c'est simple à faire, Y'a nos problèmes. L'Enderium et des graines? Non. Très bien. Enderium Nugget, y'a des graines? Non. Comment ça y'a pas de graines d'Enderium? Si y'a des graines d'Enderium.
Si, y'a des graines dans Dorium. Ah bah Dorium, enfin des graines. Putain, on est qu'à 70%. Parce que par exemple, l'épée est infinie en fait là. Non, c'est où? Si, c'est là. Qu'est-ce qu'il faudra? Enfin, juste de quoi faire en fait des Infinity Ingots quoi. Enfin, juste. Il faudra juste de quoi faire 40 milliards de trucs comme ça. Donc, il faudra juste 40 milliards de blocs. Hein. Oh là 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 là. Et je pense qu'en fait, le jour où t'as un Infinity Catalyst, déjà t'es content. En vrai. En vrai. Que pire avec ça, tu peux faire les outils Tinker. On peut pire juste avec un lingot, faire les petits trucs Tinker, tu vois. Genre une petite épée. Parce que. C'est de la merde. Comment ça, 42 dégâts? La merde! Après, il y a Apocalypse dessus. Global Traveler, Brand Magic, Apocalypse. Je sais pas ce que ça fait, mais c'est l'air cool. Je pense que ça fait, c'est l'air cool. Regardez, le Project E, c'est trop craqué aussi. Ah oui, non mais. Au pire, je pense que là, jour où on aura un tableau de Project E, on pourra peut-être utiliser pour transférer des trucs pour avoir de diamants hauts, tu vois. Je pense qu'au pire, on pourra peut-être utiliser pour ça. J'ai juste envie d'avoir mon petit premier neutron. Et on va stopper le live là-dessus, de toute façon. Prochain live, au pire, ce qu'on fera, c'est qu'on commencera peut-être à faire. Je ferai 2-3 neutrons collector à la con. On mettrait 3 là comme ça, ça chira des neutrons, pif. Et puis voilà. Et puis on fera ça demain de toute façon. Demain on fera ça. Et puis on pourra commencer à avoir pour les champs, pour le truc, pour avoir les chiens. Faut jouer aussi pour l'énergie, parce qu'après pour l'énergie il faudra que ça suive quand même, au bout d'un moment. Même si je me fais pas de soucis pour ça, mais après avec tous les crafts et tout ça, avec tous les crafters qu'on va faire et tout, ça peut-être mieux après d'énergie. Ça peut-être un vrai mur de magmatic generator, on verra, ou peut-être que je ferai autre chose. Peut-être faire des solar panels de environmental tech, hein, je sais pas trop. Après bon, j'ai un gros stockage d'énergie aussi. Bon, pas un souci. En fait, avant qu'ils se vident avec les crafters, on a le temps quoi. Bon voilà, on a le premier neutron. Y'a même pas d'achievement pour ça, je suis trop deg. Trop deg. En fait, déjà rien que faire la bouffe là. Ça déjà on fera ça demain. On fera pour la bouffe. Déjà. C'est simple à faire en fait. C'est vraiment très simple à faire. Et juste des essences. Alors l'essence de vache on peut le faire déjà. On a l'essence de vache, c'est juste que je modifie le craft en bas. Donc ça c'est bon. Il faudra l'essence de poulet. Il faudra des essences de pig. Des essences de rabbit. Et des essences de poisson. Enfin c'est les guardian essence. Donc il faut les graines de guardian. Donc il faut les guardian chunk. Donc il faut la prise marine et du poisson. Bah c'est pas ce qui est plus compliqué à choper franchement. Donc voilà. Bah écoutez, on va cesser là-dessus pour aujourd'hui les amis. C'est cool, on a bien avancé, on a découvert pas mal de choses, donc c'était cool. Et puis voilà. Demain on fera la bouffe, on verra pour augmenter peut-être production d'énergie, tout ça comme je l'ai dit. On verra peut-être aussi pour commencer à avoir. Enfin, en fait, faudrait que je fasse un bon gros stockage de trucs, faudrait que je vois pour faire. Faudrait que je me motive pour faire l'autocraft. Hein. Pour commencer à faire l'autocraft avec Applied, mais pour ça faudrait que je fasse une salle spéciale Applied. Hein. Donc je verrai. Et pour collecter les neutrons en auto, ouais, je vais faire ça. Je vais mettre un item conduite avec un coffre à la con. Je vais juste mettre un ordre chest en fait. Mais faut le motif pour l'autocraft apply parce qu'en fait, une fois que tu l'as, t'es vraiment tranquille quoi. Mais en fait, même pas pour l'autocraft, même pas pour l'automatisation des machines, au pire. Juste vraiment pour autocrafter les trucs à la main. Après, si automatisation des machines, quand même pour les inscribers, serait cool. Mais la salle, on la fera au-dessus de là en fait. On fera une salle genre peut-être 20 blocs au-dessus et puis ça sera salle applied quoi. En pire, je vais voir avec Dema là si Soir veut commencer à creuser la salle, faire une salle et tout, si elle veut la décorer tout ça. Ouais. Donc ça, demain, j'aurais plus qu'à tout installer. Hop. Je vais mettre là le coffre. En gros, j'ai déjà posé mes câbles, parce que je vais mettre les autres neutrons à côté. Donc ça sera fait. Always active. Insert. Puis voilà, les petits neutrons partiront. De toute façon, j'ai Claude ici, donc ça va en produire en boucle. Donc c'est nickel. Et bien, écoutez, les amis, on va cesser là-dessus pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu, c'était bien cool. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous souhaite. Voilà, portez-vous bien, rendez-vous la prochaine, tout ça, tout ça. Donc demain, fin d'après-midi pour du Minecraft, demain soir, normalement pour du Farming Simulator pour ceux qui veulent. Donc voilà, voilou. Portez-vous bien, à la prochaine, bye bye.
Ouh.